Voilà, nous allons maintenant écouter Patrice Le Calvez qui va nous parler de mathématiques et de ses souvenirs. Je t'écoute. J'appuie là-dessus ? Oui, t'appuies dessus. Ah. Ah, enlever le cache. Regarde, le cache-là. Voilà, c'est bon. Alors attendez, on va revenir. Voilà. Ouais. Merci. Bon, merci de m'avoir invité à parler pour cette journée. J'ai eu la chance d'être un élève de Michel Herman et donc d'être un petit frère mathématique de Jean-Christophe. Les deux, Michel et Jean-Christophe, avaient des caractères différents, mais ils partageaient quelques qualités, une passion pour les mathématiques, une rigueur implacable, une capacité de travail exceptionnelle et également une curiosité intellectuelle considérable. Je vais essayer, dans cet exposé, d'abord d'illustrer un peu l'apport, le rapport au système dynamique ces 40 dernières années, en parlant un peu de leur activité de directeur d'études, et également, je vais parler du séminaire. Ensuite, je parlerai de quelque chose de plus personnel en parlant d'une collaboration que j'ai eue avec Jean-Christophe. Alors, j'ai commencé par leur activité d'encadrement doctoral. Voilà la liste des étudiants de Michel, à gauche, et la liste des étudiants de Jean-Christophe, à droite. Alors, je pense que chacun des étudiants pourrait avoir des histoires à raconter sur chacun d'eux. Si vous voulez dire des choses sur chacun d'eux, la première chose, c'est que tous deux ont été des directeurs de thèse remarquables, qui ont appris à leurs élèves d'être vraiment des mathématiciens. Yokoz, très naturellement, cherchait à donner confiance à ses étudiants et son aptitude au calcul lui a fait qu'il non seulement leur a appris la rigueur, mais également ne pas avoir peur de se lancer dans les calculs. Parfois, les démonstrations sont techniques et méritent des grandes preuves. Herman, je dirais qu'il avait le don de trouver pour chacun de ses étudiants un sujet qui allait correspondre vraiment au goût et aux aptitudes de l'étudiant. Pour Herman, il était clair que la thèse soutenue, il continuerait à suivre ses étudiants et défendre si nécessaire. Alors, si on regarde les deux listes, on voit tout de suite qu'il y a plus d'étudiants. Jean-Christophe a 14 étudiants et Michel en a 7. Michel n'a jamais eu plus de 2 étudiants. Généralement, il avait un étudiant. Jean-Christophe avait un continuum d'étudiants, beaucoup plus, et avait capacité de pouvoir faire suivre des séances, plusieurs séances consécutives de 2-3 heures de maths, comme ça, sans prendre le déjeuner, exactement. Et ça a permis de... C'est pour ça qu'il avait une grande liste. Je remarquerai que presque tous ces étudiants ont suivi une carrière académique. Alors, s'il y a une plus grande étudiant du nom de Jean-Christophe, finalement plus d'étudiants, il y a clairement aussi, je pense qu'on ressent dans la liste d'étudiants des changements dans la structure de la recherche. Il y a beaucoup plus de collaboration maintenant et également un changement des statuts des doctorants. Si on regarde par exemple les étudiants d'Hermann, en fait tous sont parisiens, des ENS ou de Polytechnique. Si on regarde les étudiants de Jean-Christophe, c'est beaucoup plus divers, les origines sont beaucoup plus diverses, et en particulier, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Il y a la moitié des étudiants sont étrangers, sont en dehors du système étranger. Alors évidemment, il y a plusieurs Sud-Américains. Et même un Lyonnais. Même un Lyonnais. Un Lyonnais. Même un Lyonnais. Sylvain. Même un Lyonnais. Voilà, donc, un peu ce que je voudrais dire. Je vais cliquer là-dessus. Ça, c'est
la thèse que c'est un article de Birkhoff. On n'a pas encore parlé de Birkhoff, mais c'est un grand nom des systèmes dynamiques. Après Poincaré, c'est lui qui va venir en fait développer, un de ceux qui vont venir développer les systèmes dynamiques. C'est un livre, donc Birkhoff est américain, son livre est écrit en français, c'est une bonne temps, c'est comme ça. J'étais allé voir Hermann, je ne savais pas, je cherchais un directeur de thèse, et Daniel Benkin, l'école polytechnique, l'ENS, m'avait dit d'aller voir Hermann, qui faisait des systèmes dynamiques, en disant que ça devrait me plaire, moi j'aimais bien la topologie, la géométrie. Donc je vais voir Hermann, et je lui dis, voilà, je voudrais faire une thèse en géométrie différentielle, et il me dit, moi je ne fais pas de la géométrie différentielle, je vais voir quelqu'un d'autre. Et puis, je bafouille, je ne sais pas quoi, je ne vais pas dire que je voulais faire des systèmes dynamiques, parce que je ne savais pas ce qu'étaient les systèmes dynamiques. À l'époque, il n'y avait pas de cours de systèmes dynamiques. Donc, je ne sais pas, en fait, il me donne ce livre, cet article, lire cet article. Et cet article, c'est un article est merveilleux. En fait, on y trouve des nombres de rotations. En fait, ça commence tout de suite par des nombres de rotations, mais on va trouver aussi des continus, indécomposables, des objets, des attracteurs. On va trouver des choses qui vont me suivre en fait très très longtemps en fait dans ma carrière. Je voudrais parler maintenant un petit peu du séminaire. Alors, Hermann a fondé un séminaire en novembre 80, un séminaire de systèmes dynamiques qui a eu une grosse influence dans le développement des systèmes dynamiques. Avant ça, on pouvait assister à des séances de systèmes dynamiques et des exposés, mais il fallait aller soit à l'IHES, je pense, au séminaire TOM, soit à Orsay, au séminaire de topologie. Mais le lieu central était certainement le séminaire de théorie ergodique, du laboratoire de probabilité à Jussieu. C'est un séminaire qui existe toujours. Et Michel était un spectateur régulier de ce séminaire. Alors, le séminaire de théorie ergodique s'intéressait plutôt aux aspects probabilistes des systèmes dynamiques. Et Michel voulait créer quelque chose un peu dans un aspect un peu différent, et en particulier plus proche de ce qu'on appelle la dynamique hamiltonienne. Alors, voilà la demande qui se fait au CNRS, et Alain qui m'a envoyé ce dossier hier. Voilà une demande d'action thématique programmée. Il va demander 83 000 francs pour organiser ce séminaire qui s'appelle « Petit dénominateur en système dynamique et quelques applications » au sein de l'appel d'offres « Géométrie et problèmes stochastiques de la physique théorique ». Alors, il y a un projet de recherche, on va dire la première page du projet de recherche. Alors, on ne voit pas trop. Je vais le lire, alors. Il y a, en entête de ce projet de recherche, deux citations, une de Weyl, André Weyl, et une d'Arnold, de nouveau Arnold. Celle de Weyl, je vous la lis. « Plutôt que de persister dans cette voie, je préférais, une fois arrivé dans l'Inde au début de 1931, revenir à Poincaré et à son célèbre travail sur les caractéristiques du tore, que j'espérais améliorer en vue d'une généralisation au tore de dimensions plus grandes que 2. C'était là un problème trop difficile pour moi. Sur les succès obtenus dernièrement à ce sujet, voire mes heures. » La citation d'Arnold, en fait, Alain en a parlé ce matin, « In spite of the important advances made in Hamiltonian mechanics in recent years, the number of mathematicians working in this area is still small. One can hope that Sternberg's book will attract more mathematicians to these important problems, which are very difficult, perhaps too difficult for modern mathematics. » Parlez. L'ambition, le projet d'Hermann était donc ambitieux. Alors, vous regardez sur la dernière ligne, c'est amusant, parce que bien que le projet soit prévu pour une période de 2 ans, en étant plus ambitieux dans le programme de recherche, la période visée pourrait être nettement plus longue. Le séminaire existe encore. Là, s'il y a presque 40 ans. Alors, ce séminaire, voilà, il a commencé à l'école polytechnique, autour d'un noyau qui était le participant de ce projet, Marc Chaperon, Alain Chancinaire, Nicole Desaunes-Moulis,
Albert Fatty et Jean-Paul Touvenot. Alors, à ce séminaire, on trouvait effectivement ce noyau dur, mais également des physiciens de l'École polytechnique, Jean Lascoux, Pierre Collet, et puis aussi des astronomes, comme Jacques Lascar. Alors, c'est un séminaire. Le format de ce séminaire était particulier. Il était en deux parties. Une partie dans la première heure, l'orateur exposait ses résultats, et dans la seconde heure, il la démontrait. Alors, ça durait parfois une heure, parfois ça durait plus longtemps, et quand c'était Michel qui parlait, ça pouvait durer encore plus longtemps. Bon. Alors, comme l'a rappelé Alain, il y avait également un groupe de travail le matin. C'était le lundi après-midi, le lundi matin, il y avait groupe de travail, mécanique céleste. Donc, on allait le lundi à Lix, et on passait toute la journée, 2 heures de mécanique céleste le matin et 2-3 heures de système dynamique, souvent pas mal d'analyse. J'ai trouvé ça parfois un peu éprouvant. En plus, il faisait froid dans cette salle. Je me souviens que l'hiver, il y faisait froid. Bon, alors, le séminaire a bougé ensuite. En 91, Hermann vient à Paris 7 et le séminaire va venir à Jussieu pendant pas mal d'années. Il aura lieu dans un grand bureau dans la tour Zamansky. Et quand le séminaire commençait, il y avait des gens qui dans son bureau qui partaient de ce bureau, puis on s'y installait. Il y avait beaucoup plus de monde à ce moment-là. Il y avait des étudiants, il y avait plus de monde. Et donc, on essayait de s'asseoir où on pouvait, souvent sur le bord de la fenêtre. Et puis, régulièrement, le téléphone sonnait pendant l'exposé, donc il fallait répondre au téléphone. Donc, généralement, on répondait, il n'y a personne. Ensuite, le séminaire a bougé. Il est parti, comme les universités ont elles-mêmes bougé, le séminaire a bougé avec elles. Il est parti à Jussieu, à Chevaleret, puis ensuite au Collège de France, au Grand Moulin, à Jussieu. Alors, au décès de Michel, Okan Eliasson et Jean-Christophe Yocoz ont décidé de continuer le séminaire et de prendre la responsabilité de ce séminaire. Et depuis la disparition de Jean-Christophe, Bassam Fayad, Raphaël Kekourian et moi-même sont venus épauler Eliasson. Alors, nous avons conservé le même modèle, toujours une première heure, puis une seconde heure, mais on est quand même plus raisonnable sur la seconde heure. Et on a conservé la tradition que Michel avait faite de terminer cette séance par on va au café ensuite, et puis on discute maths ou autre chose après ce séminaire. Alors, ce séminaire pouvait être un peu difficile pour les orateurs. Michel était quand même assez provocateur et pouvait être très critique avec l'orateur, surtout s'il était connu. Jean-Christophe était très différent, il est comme affable, il était toujours bienveillant avec l'orateur, mais il avait quand même une grande capacité à voir ce qui n'allait pas dans un énoncé de théorème ou dans une preuve. Et il est arrivé plusieurs fois qu'il n'y ait pas de deuxième séance. Parce qu'il n'y a plus besoin de deuxième séance, ce théorème était faux. Voilà un peu ce que je voulais dire. Sur le séminaire, je prends ce que je dis. Je vais parler maintenant un petit peu d'une collaboration que j'ai eue avec Jean-Christophe. En 1988, Jean-Christophe est arrivé à Orsay et on a partagé le même bureau. On était dans le même bureau. C'était un bureau. On fumait beaucoup. En fait, tous les étudiants de Hermann fumaient. Et donc, tous les deux, on fumait dans son bureau. Et à la fin de la semaine, il y avait un amas de cendres. Après, on a arrêté. Moi, Christophe aussi. Et avant d'avoir une collaboration scientifique avec Jean-Christophe, il y a eu une collaboration pédagogique. En fait, quand il est arrivé à Orsay, on lui a demandé de faire un cours de topologie. Topologie et calcul diff. Et j'ai participé, j'ai fait des travaux dirigés avec Pierrette Santenac.
Et puis aussi, de temps en temps, avec Ricardo, qui était le premier étudiant de Jean-Christophe. Et je crois que des expériences pédagogiques, c'est la plus heureuse que j'ai eue. C'était un plaisir, un grand plaisir de discuter avec Jean-Christophe. Il faisait le cours, puis après on discutait. L'atmosphère était toujours riante. Donc voilà le cours. C'était le cours de topologie. Comme vous voyez, c'est un peu abîmé, on ne voit plus le module aux causes. La raison, c'est que ce livre, je l'ai utilisé beaucoup, donc il est tout abîmé. C'est un bon livre, en fait. On peut être sûr que ce qui est dedans, c'est juste. Avec une cause, vous pouvez être absolument sûr que c'était juste. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce livre. C'était un cours de licence, mais c'était quand même assez exigeant. Si on regarde, c'est à la fin du cours, il n'y a pas d'égalité, il y a peut-être des équations, on ne va pas regarder. Il n'y a pas d'équation sur cette page. Il n'y a pas d'équation sur cette page. Il y a une figure. Les dynamiciens s'y reconnaîtront. En fait, comme théorème, ce théorème 3, le théorème de la variété stable pour une équation différentielle, vous avez une équation différentielle, un zéro, le point critique de cette équation différentielle, et ceci représente, ces flèches que vous voyez, ça représente la dynamique locale, sont des courbes intégrales de cette équation différentielle. Et donc vous voyez des flèches qui dirigent vers le point, ce sont des points, quand vous prenez un point sur cette flèche, la solution reste sur cette courbe et va vers le point critique. Quand au contraire, vous avez une flèche qui part, le point vient dans le passé, il va aller vers ce point critique, puis les autres vont sortir de cette boîte. C'est ce qu'on appelle un point sel. Donc c'est quand même, la démonstration est quand même ardue, pour un cours de licence, à vous. Donc, je vais parler maintenant de la collaboration donc, que j'ai eue avec Jean-Christophe, qui est un peu, en fait, on va dire, un peu en dehors de ces axes, mais qui est quand même corrélé. Il s'agissait de répondre à une question posée par Stanislas Ulam dans le cahier écossais. Alors, je vais... La question est là. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le cahier écossais ? Alors, entre deux guerres, dans l'université de Lvov, maintenant Lviv en Ukraine, il y avait une école mathématique, une grande école mathématique polonaise, Stéphane Banach étant certainement la personnalité la plus connue, et ces mathématiciens se réunissaient dans un café qu'on appelle le café écossais. Au début, ils écrivaient sur la table de marbre, et puis ils se sont fait un peu... On leur a dit de ne plus le faire, et ils ont mis ça dans un cahier, qu'on appelle maintenant le cahier écossais, et ils écrivaient des problèmes. Alors ça, c'est une traduction par Ulam du cahier, qui évidemment est en polonais, encore que vous voyez que Maurice Fréchet a participé à ce cahier écossais, « Written in French in the original manuscript ». Alors, Le problème, et le problème du lame, est le suivant. Je vais le lire. « Does there exist a homeomorphism of the Euclidean space, Rn, with the following property? There exists a point P for which a sequence of points, Hn of P, is everywhere dense in the whole space. Can one even demand that all points except one should have this property? For a plane, such a homeomorphism with the desired property only for certain points was found by Bezykhovich. » Alors, le résultat est le suivant. La question était la suivante. Vous regardez le plan euclidien et un noméomorphisme de ce plan euclidien. Un noméomorphisme, c'est une transformation. On a vu ce matin des transformations. À un point X du plan, vous allez associer un point F de X. Un noméomorphisme, ça veut dire que c'est bijectif. Continu et l'inverse continu. Continu, c'est vraiment une propriété minimale pour que toutes ces propriétés aient un sens et ces questions aient un sens. Donc, savoir si il existe un exemple où il existe une orbite dense, c'est-à-dire où l'orbite est. Alors, on a vu ce matin que ça existe sur le cercle, une rotation donc irrationnelle comparativement à pi a une orbite dense. Toutes les orbites sont denses. D'accord ? Donc, la question, c'est de savoir si sur le plan R2, on peut trouver un exemple avec une orbite dense. Alors, Bezykhovich avait construit un exemple, mais cet exemple a un point fixe. On peut démontrer, d'ailleurs, que
toute application de ce type qui a une orbite dense a un point fixe. Donc la bonne question, c'était, existe-t-il une telle application qui a un point fixe et toutes les autres orbites sont denses? C'est-à-dire, alors c'est plus compliqué que sur le cercle, parce qu'il y a plus de place dans le plan. Je veux dire, sur le cercle, c'est, on dit de dimension 1, en fait, toc, 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 on voit qu'on va bientôt remplir. Dans le plan, il faut se promener un peu partout, mais en restant continu. D'accord ? Donc, c'est pas ça. Alors, la réponse est non, il n'y en a pas. D'accord ? Il n'y en a pas. Et la preuve du fait qu'il n'y en a pas, et la preuve qu'on a donnée est une preuve par l'absurde. Alors, ce qu'on avait démontré précisément, c'est si un tel exemple existe, s'il existe un exemple de telle application dont toutes les orbites sont denses, alors l'une des orbites est finie. Et ça, c'est une contradiction. Parce que cette orbite, elle ne peut pas être finie et dense. D'accord ? Donc, voilà un exemple de démonstration par l'absurde. Alors, pour faire ceci, c'est un problème, ça s'appelle un problème global, c'est un résultat global, on avait fait une étude locale autour du point fixe. Alors, voilà le bout de l'article, on ne va pas s'intéresser à l'article, on va s'intéresser au dessin qu'il y a sur l'article. Zoom. Voilà, donc je suppose que j'ai une application qui a un point fixe et toutes les autres orbites sont denses, et je regarde le point fixe, et vous voyez apparaître un ensemble qui est en gras, et qui, ça s'appelle un arbre. Dans cet arbre, il y a des branches avec une flèche qui vont vers le point, et des branches avec une flèche qui sortent du point. Les points qui sont sur une branche qui vont vers le point, l'orbite tend vers le point fixe, les autres s'éloignent du point fixe. Ça ressemble beaucoup au point sel que l'on a vu dans le livre précédent. Ça s'appelle un point sel. En fait, c'est une selle généralisée. Donc, ce point fixe, s'il existe un tel exemple, le point fixe est une selle généralisée. Et un autre point fixe, c'est le point à l'infini. Quand vous avez sur un plan, vous pouvez rajouter un point à l'infini et il y a exactement la même situation. Donc vous avez une application comme ça de la sphère S2 avec deux points, que l'on appelle des points sel. Et ça, c'est un résultat de topologie algébrique qui vous dit que ce n'est pas possible. Il faut qu'il existe une orbite périodique. Il faut qu'il existe une orbite périodique. Et c'est comme ça que l'on construisait une orbite périodique. Bien évidemment, on ne sait pas où est l'orbite périodique, mais elle existe. Alors, cet article a une suite. On voulait démontrer ce résultat local, hein, en des hypothèses plus faibles, en vue d'application. Alors, je n'ai pas parlé vraiment directement, ce que je veux dire, c'est un peu... Alors, donc, on avait cette collaboration, c'était plusieurs années après, Jean-Christophe était au Collège de France, donc on se voyait au collège, et donc on collaborait, et on avait un texte qui était pratiquement fini, il restait juste un lemme. Souvent, quand on fait des maths, il y a juste un lemme qu'on n'a pas voulu montrer. Parfois, c'est dangereux. Bon, là, c'était pas dangereux. Il fallait montrer ce lemme, on l'avait admis. Et j'avais dit à Jean-Christophe, je m'en occupe, je vais m'occuper de démontrer ce lemme. Alors, je travaille dessus, je rédige, je trouve une preuve, ça s'appelle une preuve par récurrence, je vais vous la montrer, je ne vais pas la lire. J'étais content de l'avoir fait, et j'étais, quand on travaillait avec Jean-Christophe, on avait vraiment envie de bien faire. Et donc, j'étais content de ma preuve. Et je la donne à Jean-Christophe. Et on se retrouve au Collège de France. Il avait fait des corrections. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il avait fait des corrections dans la nuit, ce qui n'étonnera personne. Donc, j'ai regardé les corrections, l'article, le bout et les corrections. Donc, alors, ça, c'est l'article, la... Voilà, ça c'est ma preuve. Ça fait 4-5 pages. Hein. Comment on revient là? J'aurais dû faire une étude. Voilà. Alors, Jean-Christophe fait des corrections. Ça commence bien. Je crois qu'on peut raccourcir. Bon. Ça n'empêche pas d'aller plus loin. On aurait pu dire, je crois qu'on peut raccourcir. Raccourci, puis c'est fini. Pas du tout.
il va lire la preuve complète. Vous voyez qu'il fait un petit commentaire. On peut aussi le dire avec des mots. Il a raison, ce qui est à gauche est bien plus joli que ce qui est à droite, qui est un peu barbare. Donc, il prend au sérieux. Jean-Christophe était quelqu'un qui était sérieux, qui faisait toutes les choses sérieusement. Il avait compris au sérieux de lire cette preuve et de la corriger. Je continue. Mais alors, vous avez envie de voir comment on raccourcit, j'imagine. Alors, on va voir. Voilà, la preuve raccourcie. Elle est bien plus courte. Elle est tapée, donc quand vous... Elle est manuscrite, donc quand vous la tapez, c'est bien plus court. Ce que vous voyez n'est pas un résumé de preuve, c'est une preuve. Vous remarquez déjà l'écriture de Jean-Christophe, et je pense qu'on aura le temps de voir la très belle écriture qu'il avait, la clarté de la façon dont il écrivait. Il y a juste une rature derrière le... Je pense qu'il a voulu dire le cercle qu'il a barré, c'est une erreur qu'on fait souvent, le disque ouvert. Alors, quelqu'un qui lit cette preuve va comprendre tout de suite qu'il s'agit de topologie du plan, parce que ça commence par un domaine de Jordan, et on voit très vite par Schoenflies, ce sont des théorèmes qui sont valables sur le plan inclinaire, et uniquement sur le plan. Donc ça, c'est la même preuve, sauf que j'ai donné le dessin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le dessin est ainsi. Donc, vous aviez un point fixe, un ouvert U, et vous construisez un ouvert V qui a une certaine propriété. Et alors, ce n'était pas une astuce. Alors, c'est ça qu'il faut dire. Ce n'était pas une astuce. Il prenait cet ouvert et ce U, il en faisait des petits, un peu plus petits. C'est ce qui se retrouve sur la ligne avec des rayons, là, R0, plus petit que R1. Il y a des inégalités, plus petit que R1. Alors, en fait, Jean-Christophe avait compris vraiment intimement ce qui se passait. En fait, il y avait un mécanisme et sa preuve était directe. Ce n'était pas foncièrement différent, mais c'était totalement, c'était une preuve complètement directe. Il n'y avait pas du tout besoin de cet argument par récurrence, duquel j'étais très fier. Non, ça se fait directement. Le plus drôle, c'est qu'il me dit, en fait, si j'ai fait cette preuve, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu le résultat suivant, c'est que, je vous ai montré, que pour un décalage de Bernoulli, les ensembles invariants localement maximaux sont les sous-décalages de type fini. Ça n'a rien à voir, a priori, avec ce problème, qui est un problème de topologie du plan. En fait, les décalages de Bernoulli, je ne vais pas expliquer ça, mais ils sont importants si c'est dynamique. C'est eux qui disent qu'il y a du chaos, du stochastique dans un système déterministe. Quand quelque chose est chaotique, c'est souvent qu'on y trouve, quelque part, d'une certaine façon, un décalage de Bernoulli. Ça ne se dessine pas, c'est des espaces de mots infinis, ça ne se dessine pas comme ça. Et ce résultat, en fait, la preuve qu'il avait donnée était tout simplement une métapreuve, une preuve qui comprenait à la fois ce résultat sur les décalages de Bernoulli et également sur celui de topologie du plan. Alors Christophe, il voyait les maths, il voyait les systèmes dynamiques de très haut. Il les voyait vraiment de très haut. Alors, personne ne serait étonné de dire que, quand il me dit ça, c'était quand même dans un éclat de rire, en fait. Il était content de l'avoir dit, c'est bon. Il aimait le jeu, il aimait, dans le sens vraiment le plus sympathique du terme, la compétition et le jeu. Il joue aux échecs, bien sûr, mais il aimait aussi les sports, regarder des matchs de foot, il aimait ce genre-là. Et là, dans ce cas-là, c'est clair qu'il l'a vu. Voilà. Mais merci. Merci Patrice. Est-ce qu'il y a des questions ? Derrière, il y a une question là-bas. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Il y a une question que j'ai dans la tête depuis fort longtemps, c'est les relations entre la maths et la physique. Alors, il y a la maths théorique, et puis de l'autre côté, il y a la physique, et puis quand même, bon, la physique se sert beaucoup des maths, et les maths, pas tellement de ça de la physique. Alors, cette conception des maths par rapport à la physique, il y a plein de gens qui en ont parlé, en passant par Platon, Aristote, qui vous voulez, plus Villani, bien sûr. Donc, le monde est-il mathématique, ou, au contraire, les maths sont une réduction du monde, et donc, on ne voit que le monde en réduit à travers les maths. Einstein dit, je crois même, les maths tirées de l'observation ne sont pas des maths pures, et les maths pures
ne servent à rien à la physique. Quel est votre sentiment sur cette relation entre les maths et la physique, sachant qu'il y a plein d'autres problèmes qui se posent à propos de l'infini en physique, l'infini en maths, le discret et le continu, la physique m'apparaît. Une chose à la fois, à la fois. On va commencer. Merci. Vas-y Patrice, on t'écoute. Moi, je me pose vraiment très peu de questions sur les maths et la... vous voyez bien que ce genre de choses que j'ai exposées sont totalement des problèmes de mathématiques pures, sans aucune, a priori, une volonté, un lien. Mais comme on le dit, par exemple, je parle à un moment de décalage de Bernoulli. Décalage de Bernoulli, on va les trouver. Ils font comprendre dans les systèmes où il y a de l'entropie, où il y a du chaos, pour quelles raisons on voit apparaître des phénomènes chaotiques. Donc, il y a des liens qui apparaissent comme ça de façon absolument naturelle. Mais quant à moi, je ne me pose pas vraiment ce genre de questions. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que Jean-Christophe, très souvent, affirmait très explicitement son côté platonicien dans l'approche des maths. C'était très, tout le temps, on parlait tout le temps de ça. Donc, il avait vraiment une vision philosophique, j'ai presque envie de dire presque primitive. C'est-à-dire, pour lui, les objets mathématiques avaient une existence intrinsèque, même s'ils existaient dans un monde supranaturel. Et il en parlait très, très souvent, même en buvant une caipirine, ça lui arrivait souvent. Oui. Oui. Madame. Je voudrais parler. J'ai pas pu le faire tout à l'heure, parce qu'on est tous partis. Alors, mais vous avez parlé d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'astronomie, bien sûr, mais surtout des nœuds lunaires. Alors, vous nous avez fait un beau dessin, mais tellement rapide, et c'était vraiment la fin. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'explication de ces nœuds? Mais simplement, vous avez la trajectoire keplérienne approchée de la Lune autour de la Terre qui est dans un plan qu'on va supposer fixe. Bien sûr, rien n'est fixe là-dedans si on attend suffisamment longtemps. Et puis, il y a ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, qui est à peu près le plan où les planètes se trouvent à peu près, approximativement. Le système solaire n'est pas vraiment plan, mais il est presque. Et donc, le nœud, c'est simplement l'intersection de ces deux plans. Et il se trouve que en 18 ans, ce nœud fait un tour complet. C'est ça. Et d'autre part, il y avait l'apogée ou le périgée, qui est le point le plus lointain de l'orbite lunaire par rapport à la Terre, ou le point le plus proche, qui, eux, en fait, font un tour en 18 ans. Mm-hmm. Mais si on fait simplement ce qu'on appelle les calculs au premier ordre, en négligeant des termes de l'ordre du produit du petit paramètre du problème, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, eh bien, en fait, on ne trouve on trouve 18 ans pour le... Je me suis mal exprimé, on trouve 18 ans pour le mouvement de l'apogée, mais par contre, le véritable nombre qui vient des observations, c'est 9 ans. Et donc, cette différence entre ce que donnait la théorie de Newton, au moins au premier ordre, ce qu'on appelle de la théorie des perturbations, et l'observation, ça ne marchait pas. Et c'est pour ça que Clairaut a cru devoir remettre en question la loi de Newton. Mais en fait, si on pousse les calculs plus loin, en tenant compte de ces termes plus petits, mais qui sont suffisamment nombreux pour en fait être presque aussi importants que les termes du premier ordre, on retrouve effectivement... les 9 ans qui sont la véritable période de l'apogée. Et alors, est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement, en fait, ça nous apporte pendant un certain temps qu'on est très content de ne pas avoir à rejeter la loi de Newton. Ouais. Il faudra attendre Einstein et le mouvement de Mercure et la relativité restreinte pour s'apercevoir qu'il faut faire des corrections. Oui, tous les mouvements planétaires sont liés forcément à tout ça, Mercure. Mais la loi de Newton marche extraordinairement bien pour le système solaire, même alors, sur des périodes plus longues, il faut tenir compte de la relativité, même
pour énormément de choses pratiques, même pour un GPS, il faut tenir compte de la relativité. Mais d'un point de vue pratique, pour la description des mouvements du système solaire, c'est quand même encore extraordinairement bon. Alors, moi, je vais vous dire... Attendez, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui vont être posées, je crois qu'il faut les distribuer. Vincent, Sébastien, tu as une question. Oui, j'avais une question à propos du point sel. Donc, le point sel classique, on peut le réaliser, par exemple, par deux écoulements à contre-courant et on forme un point sel. C'est une réalisation physique très simple et on a un point d'arrêt. Et qu'en est-il de ce point à trois branches là, que vous avez montré? Quelles sont les équations différentielles qui donnent ça comment ça se passe? Soyons clairs, c'est un dessin, c'est un modèle en fait. J'ai tracé un arbre, mais ce n'est même pas un arbre, c'est un ensemble qui a une irrégularité, je veux dire, vous avez des hypothèses totalement abstraites et vous montrez que quelque chose existe, mais ce n'est pas lié à des équations. On peut construire des équations, par exemple, où vous avez effectivement un point sel avec un certain nombre de ce qu'on appelle des séparatrices. Ça, c'est assez faisable. Mais le point sel qu'on voit apparaître ici, il n'est évidemment pas donné par des équations. Au contraire, on part d'aucune équation, on part de pratiquement rien. On arrive à ce truc-là. Juste avec une propriété dynamique abstraite. Sébastien, quand un point sel a plus de séparatrices, comme on dit, on parle parfois d'une sel de singe, parce qu'il faut sel de cheval, il faut pour mettre ses deux jambes de chaque côté, mais le singe, il faut mettre la queue aussi. C'est des cubiques. C'est l'équation de degré 3. Si tu veux avoir une sel pour le singe, c'est degré 3, et un singe qui aurait deux queues, il faut degré 5. Y a-t-il d'autres questions? Si je peux me permettre une réponse rapide là-dessus, justement sur les liens, sur l'existence pratique, il faut regarder la codimension, c'est-à-dire que autant les selles de cheval sont des objets structurellement stables, si on perturbe, ça existe toujours et donc on en verra toujours, autant les selles de singe sont des objets qui sont exceptionnels mais de codimension 1. Donc quand on bouge un paramètre progressivement, on peut passer à un moment par une selle de singe. C'est comme ça qu'il faut le voir dans la réalisation pratique où on a des... Voilà. Mais la probabilité de tomber sur une selle de singe est nulle, mais dans une famille à un paramètre, effectivement, on va tomber dessus. Très bien, écoutez, je crois qu'on va remercier Patrice. Et maintenant, nous passons au magicien Bassam, qui va nous parler de... Ah non, c'est toi maintenant. Ben, ça va passer vite, rassure-toi. Donc, Bassam va nous parler de Herman et Yokoz. Intéressant de voir que tu mets leur nom et pas leur prénom. Les magiciens du cercle. Oui, c'est Sonia Delaunay. En fait, je voudrais remercier Étienne et Harold pour cette très très belle initiative. Je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité de rendre hommage à ces deux hommes qui ont joué un rôle décisif, déterminant dans mes mathématiques, mais aussi dans ma vie. J'ai parlé de ces deux grands hommes et d'un de leurs objets préférés, le cercle. Alors, vous avez vu... Patrice, il a montré que quand il voulait parler d'un disque, il a écrit cercle. Donc, c'est clair qu'il aime bien le cercle. Je ne vais pas vous présenter le cercle, vous savez tous ce que c'est. C'est un objet qui nous a fascinés, nous les humains, depuis la nuit des temps. Je mets une petite illustration à une stèle. C'est l'épopée de Gilgamesh. Je l'aime bien parce que ça me reconnecte avec l'épopée de Herman. Harold nous a raconté comment Herman a pu tourner en rond et en rond sur un cercle, tourner très longtemps, mais avec force de détermination et de génie, il a réussi quand même à aller très loin, tout en étant sur son cercle. De Moscou, la terre a tremblé, Arnold criait « Quoi ? Ma conjecture ? On a démontré ma conjecture ?»
ma grande conjecture, je l'ai vraiment entendu de sources sûres, je vous dis. Si on devait rester avec Moscou ou plutôt Saint-Pétersbourg, nous, les dynamiciens de France, on pourrait reprendre à notre compte la célèbre formule des écrivains russes du XIXe siècle concernant le manteau de Gogol. On pourrait dire, sans exagération, nous, ici, les dynamiciens français, que nous sommes tous sortis du cercle des Hermann. Bien sûr, la filiation remonte à Poincaré. Bien sûr, il y a eu Danjoie. Bien sûr, en parallèle à Hermann, il y avait des grands hommes qui font avancer la théorie des systèmes dynamiques, leurs propres branches. Je pense notamment à Ruel, à Thouvenot, à Le Drapier, à Guivarch, à Chancinair, à d'autres. Mais il faut se rappeler que depuis sa grande découverte de théorème fondamental, la solution de la conjecture d'Arnold, avec tout le bagage qu'il a accumulé sur et les connaissances qu'il a acquis sur les systèmes dynamiques, Hermann était devenu une sorte de André Breton des systèmes dynamiques en France. Bien sûr, il n'y a pas eu de liste de cadavres de dressés, heureusement, c'était lui qui était le détenteur de la vision globale du sujet et de la gestion quand même de la communauté. Il nous a quittés très prématurément et c'était un coup très dur pour le domaine. Heureusement, si on peut dire, il avait déjà désigné, trouvé un successeur des plus dignes, unanimement reconnu, Jokos, qui lui aussi nous a quittés prématurément. Je vais essayer de parler d'eux, mais d'abord je vais parler de cette épopée du cercle. Donc, voilà, là c'est plusieurs cercles dans un cercle. Et voilà un diféo du cercle. On va imaginer que le point noir, il est en train de se déplacer comme un coureur, un cycliste sur une piste ronde. On va imaginer qu'on prend des instantanés toutes les secondes et du coup, on a une transformation du cercle. Ça veut dire que chaque point noir, c'est au bout d'une seconde, il bouge, on le photographie et on regarde. Si on prend un autre point, un autre cycliste, on l'appellerait θ', il aurait sa propre orbite. Alors, une piste homogène, ça correspondrait à un coureur qui court à une vitesse constante, et du coup, on retrouve une rotation. On a vu ça dans des slides bien meilleurs de Étienne, mais moi, je ne suis pas Étienne, donc j'ai copié mon slide n'importe où, et j'ai trouvé... en fait, c'est une illustration qui n'a rien à voir avec les défauts du cercle, c'est la conjecture du coureur isolé, là, le long run. Mais bon... Voilà. On peut imaginer une piste non homogène où le coureur subit des non-linéarités. On va imaginer qu'il n'y a pas de cailloux, donc que c'est lisse. On obtient la transformation que j'écris en bas. Ça veut dire une rotation plus un terme non-linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre d'abord que si la transformation est continue, bijective du cercle dans lui-même, alors, il y a un nombre de rotations moyen, c'est la découverte de Poincaré. La démonstration est simple. Vous avez Mario Kart, bon, Poincaré, les voitures. Si aucune voiture ne dépasse celle qui est devant elle, ils sont bien obligés de tourner tous à la même vitesse moyenne. Parce que s'il y en a un qui avait une vitesse supérieure à l'autre, vous avez bien joué une fois ça et vous voyez que vous passez devant quelqu'un. Donc, voilà pour le nombre de rotations. Poincaré n'avait pas seulement énoncé l'existence du nombre de rotations, il a même classifié, il a dit, si le nombre de rotations était rationnel, donc par exemple 0, alors on fait face à un cycliste qui tombe. Il tombe du nord au sud, on l'appelle un cycliste morsien ou newtonien.
Quand le nombre de rotations est rationnel, c'est le même phénomène, sauf qu'il faut prendre un itéré de F, regarder un intervalle et le retour dans cet intervalle est recollé. Ça va nous ramener à l'idée de J.C. Douady de la renormalisation. Donc, évidemment, c'est pas la même complexité. Alors, quand le nombre de rotations est irrationnel, on attend que le difféomorphisme se comporte comme une rotation. Et c'est ce que Danjoie a montré, on en a parlé beaucoup. Il a montré qu'en fait, il y a un reparamétrage du cercle continu. Vous coloriez votre cercle suivant des couleurs un peu différentes et vous relisez les longueurs avec ce coloriage. Imaginez un coloriage graduel comme ça, qui des fois allonge ou diminue les distances. Et vous allez voir que vos coureurs, parce qu'ils ont une vitesse moyenne constante et qu'elle est irrationnelle, eh bien, ils sont comme la rotation. D'accord ? Par contre, ce que Danjoie ne dit pas, comme Alain nous a expliqué, c'est les choses plus fines, et notamment la statistique. Danjoie dit que chaque orbite est dense sur le cercle, mais il ne dit pas du tout si elle est équirépartie. Il ne dit pas si on est plutôt comme les points rouges qui sont en train d'aller partout sur le cercle, mais qui sont mal répartis, ou comme les points bleus qui ont l'air d'être uniformément distribués. Il ne dit pas non plus à quelle vitesse les points se séparent. Je commence avec deux coureurs très proches l'un de l'autre. Si je suis une rotation, ils vont rester très proches l'un de l'autre à vie. Et la conjugaison de Danjoie, elle dit qu'ils vont rester proches, parce que c'est un compact, c'est continu, ils restent proches. Mais n'empêche que le ratio de séparation, quand dans le temps, il faut une conjugaison lisse pour le retrouver. Et donc, voilà l'importance de la question. Et elle a été surtout devenue très, très chaude comme question à partir des résultats de l'école russe autour de Kolmogorov. Arnold a montré que cette conjugaison est lisse si le nombre de rotations est mal approché par les rationnels et si les impuretés, les non-linéarités sont petites. Alors, Arnold a aussi montré que quand on prend une famille de coureurs, une famille de pistes, en fait, il existe des paramètres où l'influence rationnelle ressurgit et où la dynamique est totalement absorbée par un ensemble pathologique. Ça veut dire un ensemble qui ne pèse pas en mesure comme un point fixe, mais plus général. Alain en a parlé aussi. Donc je passe. Et je dis donc quand même que le gros problème était là, la conjecture. Est-ce qu'on peut dire quelque chose pour un difféomorphisme au large ? Voilà. Et Hermann a établi ce résultat. Jokos l'a étendu. Et nous avons abouti donc avec ces deux efforts conjugués à un résultat parfait qui donne la condition optimale qui linéarise des difféos lisses. Et l'idée générale, c'était juste de s'acharner beaucoup sur Danjoie et sur son intuition première de regarder les itérés, de dire que les itérés le long d'un certain suite sont bien répartis sur le cercle. Cette suite, c'est les dénominateurs des meilleures approximations dont il va parler. Bon, en fait, tout difféomorphisme du cercle, à un moment donné, il va voir ses orbites qui se distribuent un peu uniformément sur le cercle. Et quand on regarde ce moment précis de l'équidistribution, on retrouve une convergence rapide vers l'identité des itérés. Alors, bien, très bien, grands hommes, grand théorème, mais à quoi bon ? Bien sûr, à quoi bon ? C'est première réponse. C'est la beauté du théorème lui-même. Premier théorème global de linéarisation. Ça veut dire premier théorème où on regarde quelque chose de
concret, de loin de n'importe quel modèle, et on dit elle est comme le modèle. Deuxième importance, c'est que il faut remonter à Poincaré, à Birkhoff, qui ont placé les orbites périodiques au centre de l'étude de stabilité des systèmes dynamiques. Et les théorèmes de linéarisation des cycles, les théorèmes de linéarisation au voisinage de points périodiques, sont fondamentaux dans la compréhension de la stabilité à partir de ce programme. Hermann, après Poincaré, Birkhoff et Kamm, est celui qui a fait le plus pour la stabilité, l'étude de la stabilité des systèmes hamiltoniens. Jokos a contribué énormément dans la direction holomorphe. Dans la direction holomorphe, justement, Jokos a rebondi sur cette idée de renormalisation qu'il y a en fait dans Hermann, puisque, comme je vous ai dit, on itère jusqu'à Qn, et à partir de l'information qu'on a que FQn est très proche de l'identité, on peut extrapoler aux autres itérés de F et obtenir le critère de linéarisabilité que j'ai dit, c'est si les itérés, si tous les itérés, si tous les F rond F rond F ont des dérivés bornés, alors la conjugaison est lisse. Cette idée de renormalisation appliquée dans le domaine analytique, et ici dans le cas de germes holomorphes, était partie d'une conversation qu'ont eue Adrien Doidy, par Raphaël, et Étienne Gis, dans le train, on dit, où il voulait appliquer PSL2 de Z aux fréquences, aux vecteurs de rotation, pour préserver la propriété d'être linéarisable. Donc, à partir de là, Jokos, Jean-Christophe, a mis en place toute la machinerie, qui est ici résumée en quelques lignes en bas, mais où il y a essentiellement tout, en tout cas dans le sens positif. Après, le truc difficile, c'était de démontrer que dans l'autre sens, dès que cette condition, appelée condition de Bruno, que j'explique pas, que enfin, je pourrais expliquer un tout petit peu, c'est que quand on prend un domaine, on commence avec un germe holomorphe. Donc, on a la variable complexe Z qui est multipliée par EI de pi pêta Z, plus Z2. Étienne a parlé de ça aussi. Alors, on se dit d'accord, si j'arrive à itérer jusqu'au bout de ma vie, ou de toutes les vies, c'est que le point est stable, déjà. Ça, il faut accepter, c'est de la rigidité holomorphe. Si je commence à côté de zéro et je peux étudier tous les itérés et je reste à côté de zéro, la seule chance, la seule possibilité, c'est qu'en fait, je sois holomorphiquement conjugué à E de pi bêta z. À partir de là, on regarde un petit secteur de taille bêta et on dit, je veux itérer 1 sur bêta fois. Oui, mais ça va me coûter, comme... log de 1 sur bêta, ça, c'est les lemmes de distorsion, Kobe, Birbach. Et, enfin, on peut le voir sur les coefficients de Fourier du germe qu'on est en train d'itérer. Donc, il y a une perte, mais après, on dilate. Donc, on prend, vous voyez le secteur là de taille bêta, on prend l'image de l'horizontale, on dilate. Et on recolle, et on dilate, on a un nouveau disque. Et du coup, on peut rejouer le jeu. Mais donc, on repère. Mais ce qu'on repère maintenant, c'est log du transformé du nombre de rotations, donc de la partie fractionnaire 1 sur bêta. Mais ce qu'on perd dans le nouveau disque, il faut voir qu'est-ce qu'on a perdu dans l'ancien. Mais comme on a dilaté par bêta, ce qu'on a perdu, c'est bêta. On a dilaté par 1 sur bêta. Et du coup, on a cette formule qui dit, voilà, on est conjugué, si seulement si, cette fonction converge, ça s'appelle la fonction de Bruno, c'est une fonction déterministe du nombre de rotations bêta. Pour ce qui est de le théorème d'Hermann, lui, nettoyé par Jokos, bon, en fait, Jokos, il a un peu quand même... toute la théorie était dans Hermann, mais Jokos a un peu fait le coup à Hermann qu'il a fait à Patrice, il faut le dire.
Et Hermann, peut-être pas très, très content, mais quand même, il a apprécié et la théorie a avancé. Par contre, ce que Hermann n'apprécie pas beaucoup, c'est qu'on vienne, on prenne ce petit 1 sur Mn en bas, on dise on va dilater par ça, on revient à un défaut du cercle. La petite S, elle est en grand Mn qui est en haut, et lui, il est géométriquement petit, donc on a renormalisé, on a gagné. Il n'aimait pas le mot renormalisé. Mais nous, on n'est pas une école intégriste, on est des gens ouverts, on accepte. Voilà, on renormalise, Hermann renormalisé en réalité, et donc le terme est, c'est pas moi qui décide, hein, mais je veux dire, je n'ai pas de pouvoir à moi, je n'ai rien, mais je dis que je pense que ce n'est pas la peine de se cabrer. Alors, on voit ici le slide, le IHES de Hermann, cette grande œuvre, dans laquelle il va de digression en digression et il arrive à beaucoup, beaucoup de pages très, très riches en mathématiques et en très, très beaux résultats sur les défauts du cercle et pas seulement sur le résultat de linéarisation. On voit la rigueur, on voit le sérieux de l'exposition et l'humilité aussi. Alors, je voulais parler aussi des gens. Je voulais parler un peu de mon expérience, surtout, avec eux. Donc, d'abord, moi, je suis ici complètement par hasard. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a désisté seulement, mais c'est aussi parce que je voulais pas faire de maths. Donc, petit, j'étais bon en maths, très bon en maths, mais c'était pas mon rêve. J'ai jamais regardé les étoiles. On faisait pas ça vraiment en Lyon. J'ai pas dit ah tiens Galilée, Poincaré, c'est beau le ciel, l'astronomie, rien. On m'a donné un cube magique comme tout le monde, mais je l'utilisais pour taper mon frère, mais pas plus que ça. Après, mon frère était très bon étudiant, il fallait qu'il aille à Lugrand et qu'il fasse les grandes écoles, qu'il fasse ingénieur, et moi je devais faire architecte, et je l'ai accompagné ici. C'était vers la fin de la guerre, et c'était une année difficile, alors mon père a donné l'ordre qu'il faut que je reste avec lui. Et là, ils m'ont accepté, à ma grande déception, mais j'ai pleuré beaucoup, et j'ai insisté que moi, j'étais fait pour être architecte. Même maintenant, je rêve d'être architecte parce que, voilà, j'aime ce métier. Je trouve que c'est un très beau métier. Je vous conseille de lire des livres d'architecture, comme Hermann le faisait. Il se trouve que, à la sortie de grande école, j'ai voulu aller au Brésil. Bon, et le seul stage qu'il y avait, c'était des maths. Après, il y avait le Dombard derrière qui poussait beaucoup. Et il a dit, voilà, maintenant, vous faites des maths, tu fais une thèse, c'est très bien. Oui, mais architecte, tout ça. Je m'ai inscrit à l'école d'architecture. Et j'ai rencontré Hermann, parce que Lodenbach disait, comme tu as tout fait trop tard, il vaut mieux taper très haut pour que ça passe. Donc, plus c'est gros, plus ça passe. Et Hermann m'a vu, il m'a dit, ah, dommage, vous arrivez trop tard parce que j'avais un super sujet avec beaucoup de calculs par ordinateur et je ne voulais pas donner, mais j'ai autre chose. Et là, je pense à Patrice qui disait qu'il arrivait à viser exactement la fibre de l'étudiant. Moi, il a failli me rater, hein. Mais bon, j'ai eu de la chance. Et là, on a commencé la thèse et je vais vous parler de ce début et des années de thèse. Parce que comme on dit, les plus belles années, c'est quand même les années de l'enfance. Mais d'abord, je veux demander combien de temps j'ai. Bon, je soustrais une minute quand même. Hein, d'accord. 11. Parce que je t'ai donné une. Alors, on a vu souvent venir le mot rigueur, le mot sérieux, le mot élégance. Il y a aussi le mot noblesse dans le choix de leur sujet et de leurs intérêts. Les deux étaient d'une loyauté exemplaire, infaillible,
pour les mathématiques françaises et pour les mathématiques en général, et ensuite pour plus spécifiquement pour les systèmes dynamiques. Je vous ai raconté comment Hermann, qui respectait énormément Arnold, ne lui a jamais pardonné d'avoir quitté les systèmes dynamiques. Mais jamais. Ça veut dire, non, il ne fait plus de dynamique. Pas bon. Mais ils n'étaient pas sectaires non plus. Je me rappelle, dans les années difficiles, même vers la fin, je suis allé voir Yokozu à l'hôpital et je lui parlais d'un problème de est-ce qu'il y a, d'ailleurs je vous le pose, est-ce qu'il y a un diffeomorphisme de R2 qui soit réel, analytique, entier, et commute avec une rotation rationnelle d'angle 1 tiers, et qui ne soit pas un twist map, qui ne soit pas une application qui tourne sur les cercles, θ plus R2, R. Et il s'est mis vraiment à fond, quoi, alors qu'il était à moitié ici, à moitié non. Il a dit, voilà, maintenant je vais être algébriste. Après, il a dit, maintenant je vais essayer d'être topologue. Maintenant, je vais aller avec l'analyse. Il ne l'a pas résolu. Mais il avait beaucoup de passion pour les maths en général. Il passait son temps libre à chercher des preuves de théorème de Fermat, des choses comme ça. Quand même, il n'a pas démordu du fait qu'il n'y ait pas de preuves quand même assez élémentaires, ou de preuves plutôt élémentaires. Donc, il faisait des choses à côté. Une fois, à Oberwolfach, je traînais dans les livres. C'était juste pour attendre mon tour pour le billard. Et il m'a dit, tiens, regarde, ça c'est, tu sais ce qu'il y a dedans, un livre de 1000 pages. Il m'a dit, il n'y a que des questions ouvertes en théorie des nombres. Et il les connaissait peut-être toutes. Alors, Hermann lisait aussi énormément, et je vais revenir sur ça. Mais je vais te dire, leur rôle, c'était surtout d'être, donc de guider cette communauté, d'être... un rôle d'arbitre, un rôle de validateur. Dès qu'on avait un gros truc, il fallait avoir leur label, un peu, pour être sûr que... Si on passait dans le bureau du cause et qu'on sortait vainqueur, c'est que c'était fini. Hein. Le truc était dans la poche. Mais c'était quelque chose de exigeant. Il fallait rester 4 heures. Il commence toujours... Non, tu vas trop vite pour moi, là, mon petit Bassam. Moi, je ne peux pas, je ne connais pas tout ça. Mais bon, au bout de 2 heures, on ne savait plus qui explique à qui. Et Hermann, lui, ce n'était pas pareil. Il donnait le sujet et au bout du 3e, 4e mois, il me dit, de toute façon, je vous fais confiance. J'espère bien que vous connaissez bien mieux votre sujet que moi. Et il continuait à donner plein de conseils. Je dois dire avec Raphaël qu'il était un peu exclusif, c'est vrai. Il n'aimait pas trop qu'on aille pâturer ailleurs. Mais il était lui-même encyclopédique et il adorait répondre à toutes les questions. Surtout quand la question était ouverte, là, ses yeux brillaient, il devenait complètement jovial. C'est pas connu. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'ils étaient très gentils, tous les deux. Moi, quand on m'a mis sur la route de son bureau, je me suis dit, voilà, j'y vais, on décide qu'on ne fait pas de thèse, je rentre, je continue, de toute façon, je veux faire architecte. Et là, j'arrive, et en effet, il me dit, écoutez, vous voulez faire une thèse, mais ce n'est pas bon, moi, je ne peux pas vous trouver un poste. Je lui dis, je veux faire une thèse, je n'ai pas fini. Je ne veux pas deux postes, je veux faire une thèse, je veux un sujet. Il me dit, bon, mais moi, je vous donne un sujet, je vous donne même un très bon sujet, mais je ne vous donne pas de poste, hein. Je ne vous promets pas de poste. Bon. Et on est allé comme ça, mais ça avait l'air rude, mais après, je voyais, c'était gentil, d'une gentillesse extrême. Ça veut dire, se préoccuper, est-ce que vous avez mis un pull ? 2 jours après qu'il m'ait donné un sujet, je rentre chez moi, j'avais les répondeurs à cassette, là. J'ai vu qu'il y avait un message. J'écoute, c'était lui. Oui, au fait, la question que je vous avais posée, j'y ai réfléchi, je sais faire. Mais moi, je savais faire aussi, donc. Le truc, c'est qu'il il était très simple, accessible, tout en étant très exigeant et avec des idées quand même, comme Yves l'a bien dit, des jugements assez durs, parfois. Yokozu était plus courtois, plus
moins, mais plus froid en même temps, dans le sens plus intellectuel. L'autre, Hermann, était plus sanguin, plus émotif. Jean-Christophe, on ne pouvait pas très bien détecter ses états d'âme. Mais tous les deux étaient très attentionnés. Ils passaient beaucoup de temps avec nous. Mais tous les deux étaient aussi un peu redoutables dans le séminaire. Patrice nous a raconté ce que faisait des fois Yokoz. Il annulait la deuxième séance. Pas lui qui annulait, c'est l'orateur qui demandait. Et puis moi, il ne m'a jamais laissé passer mon introduction parce que j'avais des problèmes de notation et ça ne passait pas avec lui. Et ce qui est important, c'était de savoir qu'ils étaient... ils avaient beaucoup d'humour, tous les deux. Celui de Yokoz était toujours un humour, on va dire, mesuré. Hermann pouvait être burlesque, vous l'avez vu dans la vidéo d'Étienne, il suffisait qu'il fouille dans ses papiers et on mourait de rire. Une fois, je suis allé le voir avec des amis qui n'avaient rien à voir avec les maths, et je ne sais pas pourquoi ça tombait sur le football, c'était la Coupe du Monde, et sa conclusion, après que tout le monde était là, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Brésil, méfiez-vous du Paraguay, c'est tout. Et donc, on est parti, et mes potes m'ont dit, il est très fort, ton directeur, vraiment. C'était pas des fêtards, mais c'était des gens qui avaient une joie profonde, un bonheur tranquille. On sentait qu'ils avaient la joie de celui qui a allé très loin dans son travail et qui était conscient d'avoir accompli des choses. Et ce qui était dur, c'était de voir qu'ils étaient un peu... à force de sacrifices, à force de sacrifices, oui, de travail, ils étaient un peu isolés au plan personnel. Je serais content qu'il y ait les frères Serge et Gilles de Jean-Christophe, qui est Dominique et Véronique, qui est Carlos Mateos, qui est Sylvain, d'autres, Pierre Berger. Nous sommes, en fait, évidemment, vous êtes ses frères, nous sommes leur famille, en réalité. Ils ont tout sacrifié pour le domaine et pour faire vivre notre communauté, et c'est pour ça qu'on est là. Je pense que le seul combat, le véritable, le plus important pour eux, c'était le combat des mathématiques, des systèmes dynamiques, et je pense que ce que nous, on leur doit, c'est de continuer humblement et sans se soucier des ricanements de notre époque, ce combat. Si j'ai encore 2 minutes, mais peut-être que je ne les ai pas. Ok. Je vais vous raconter un peu de trucs de bonne humeur, de comment j'ai commencé ma thèse avec Hermann. Donc, je rentre, Ludenbach m'envoie le voir. C'était déjà convenu, il allait accepter d'être mon directeur. Il m'a donné le sujet. Il m'a dit, voilà, il a mis 4 questions au tableau. Il m'a donné une petite liste de livres à lire. Il a mis 4 questions au tableau. Il a dit, la première, je sais la faire. La deuxième, faites-la, c'est très fort. La troisième, si vous la faites, vous serez connu. La quatrième, c'est Mendai Fields. Et il a pris ses affaires et il est allé à Princeton. Au bout de 3 mois, quand il était revenu, il m'avait donné des papiers quand même pour attaquer le sujet. Des papiers qui était la source de la solution. J'avais résolu les 2 premières, et quand il est revenu, il l'avait effacé au tableau. Je lui dis, écoutez, je vais vous dire ce que je sais faire, je pense savoir faire la deuxième. Non, attendez, là, c'est déjà l'automne, il fait froid, mettez un pull, regardez-moi, j'ai un pull, j'ai même un Marcel, il m'a mis un tricot de peau. Il m'a dit, vous êtes pressé, moi aussi. Donc, pour les gens pressés, il y a les étiquettes. Regardez, là, c'est des étiquettes. Quand vous faites une erreur, tac, vous mettez une étiquette. Vous faites une erreur sur l'étiquette, pas grave, vous mettez une deuxième. Il a mis une deuxième. Et après, il m'a montré un papier qu'il avait sur son bureau qui était bourré d'étiquettes. Il y avait beaucoup plus d'étiquettes que de mots. C'était en anglais, français, des notations, crazy pour crazy, des choses comme ça. Crazy pour crazy. Et je suis parti. En fait, j'ai rien dit. Après, Ludenbach m'a dit, ne t'inquiète pas, il regarde par-dessus vos épaules ce que vous êtes en train de faire.
Ça m'a rassuré, mais très bientôt, il a commencé à vraiment s'occuper de moi, à lire ce que je fais. Mais c'était souvent pour là, là, ici, j'ai mis ça. Hein. C'était pour dire, tout est là, hein, dans son truc. C'était un peu pour, pour le vanner un peu. C'est parce que là, vous voyez, ici, c'était dans mon premier truc. Là, vous ne voyez pas très bien, à la page du centre, c'est écrit la seule chose autour d'une formule. Donc c'était un article de 20 pages, il avait mis un cercle, il a dit voilà la seule chose. Donc oui, c'est vrai. Et ce n'est pas le même calibre de sa seule chose, mais voilà, c'était ça. Il me disait partout où il fallait mettre des points, et il me corrigeait l'anglais, il me corrigeait les notations, il me disait mais c'est qui Alpha ? Mais monsieur Herman, ça fait 3 pages qu'on ne parle que de Alpha. Ah oui, mais mettez-le quand même. Et TN, c'est qui TN ? TN, c'est le tort. Ah, d'accord, mettez-le. Et allez voir le Calvez. Il va vous montrer comment on rédige. Il va vous aider. Et le Calvez a commencé à simplifier avec moi mes preuves. C'était un peu comme une nébuleuse, l'école. Allez voir Yoko, c'était... J'avais besoin de nombres alpha, alpha prime, alpha seconde, qui ont des propriétés très bizarres, des réduites. Il me dit, ah, c'est compliqué. Allez voir Yoko. Ça, il va vous construire les nombres. S'il n'y arrive pas, non. Et demandez à Raphaël, c'est votre ami, il va vous aider. Donc on passait comme ça, de l'un à l'autre, et c'était très riche et très encourageant. La dureté dont on parlait, qui était très bien exprimée dans le slide de Yves Meyer, me rappelle une fois dans le séminaire, et me rappelle aussi... Quand il a dit « Ah, l'analyse va mourir », il y avait quelqu'un qui a dit la litanie des petits diviseurs. Alors en fait, il y avait quelqu'un qui a eu le courage d'arriver dans le séminaire d'Hermann, pendant le séminaire d'Hermann, que lui parlait. Il a dit « Ah, vous n'en avez pas marre, la litanie des petits diviseurs, toujours petits diviseurs, c'est ton nom un peu ici. » Le mec l'a regardé « Vous voulez que je fasse de la géométrie ? Je suis meilleur que vous en géométrie. » Et bon, après, le monsieur est parti. Il y a un autre qui est venu au séminaire et il avait jeté la craie et lui, moi, je rentre parce que Hermann lui disait, mais ce que vous faites n'est pas intéressant, je savais le faire, je ne l'ai pas fait. Là, vous voyez, des fois, il était un peu dur, des fois, il était même parfois injuste. Sa devise, c'était « You got to be tough, but fair ». Je l'ai entendu dire ça à Håkan Acetraro. Mais des fois, avec le recul, il a été un peu trop « tough ». Mais en général, il était assez fair. Il était bon joueur, il acclamait les bons résultats, Yokos encore plus. Et ce qui était très frappant chez les deux, c'était que quand les gens et eux-mêmes travaillaient beaucoup pour faire tomber quelque chose auquel tout le monde croyait, une grosse conjecture, bah, je ne sais pas moi, un MLC ou quelque chose, eh bien, Yokos gardait toujours ce petite attraction pour le cas où il y a défaut, où ça ne marche pas. Il avait une préférence pour ce cas. Il disait toujours, mais en fait, si ça ne marche pas, c'est encore mieux. Et Hermann aussi, il me disait, mais attendez, mais si vous n'arrivez pas à prouver ce que je vous ai donné, prouvez le contraire, c'est un excellent théorème. Voilà. Attendez, j'ai une dernière truc qui n'était pas... Ah oui. Bon, non, mais une dernière histoire que Hermann, il aimait beaucoup partager avec moi mes Mars et mes Twists. Et moi, je partageais des cigarettes que je piquais à Jean-Christophe. Et Hermann me disait, faites comme moi, faites comme Jean-Christophe, faites comme Raphaël, mais ne fumez pas. Mais alors, il partageait mes Twix. Et une fois... Il a dû le payer cher parce qu'on était à Venise, il était radieux, très content, il venait voir des grandes œuvres, il aimait beaucoup les musées, il a lu 1000 livres, il connaissait tout. Et donc, il a dit, allez, je vous invite au Café Florian. On était toute une bande de jeunes, des doctorants de Jean-Christophe, doctorants à lui, des post-docs. On est tous assis dans le café. Florian, hein, Venise, la grande place. Et il a pris un café parce qu'il a ordonné le premier. Après sa tournée, bon, tout le monde, café, 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 café. Venu mon tour, moi, je me suis dit, je suis comme avec mon père. Je sens qu'il est heureux, je sens qu'il veut qu'on soit heureux. Ça ne va pas se répéter, c'est peut-être la seule fois que ça va être ça. J'ai dit, banana split. Bon, j'aime même pas le banana split, mais je voulais que ce soit grandiose, que ce soit un vrai truc.
Et là, il me regarde, mais... chocolat mou avec glace vanille, il a demandé. Et là, tout le monde, ça a spiralé vers le haut. Et c'était une très belle journée. Et c'est comme ça que je me rappelle. Et je me rappelle Jean-Christophe, lui, jouant à water polo avec son chérubin Caio à Chetraro. J'ai jamais tapé dans un mec aussi fort. Et je le connaissais pas. Je savais juste que c'était le Medal Fields, élève de mon prof. Mais il était si simple, si proche, que tout était possible. Alors, merci Jean-Christophe et merci Michel. Et voilà un dernier cercle. C'est nous. Peut-être une question rapide avant de passer à la conférence suivante, parce que tu as un tout petit peu dépassé quand même. Voilà. Zut. À une époque où tout le monde court après les publications, où c'est un petit peu la guerre, Michel avait quelque chose quand même de vraiment très unique. C'est que voilà, il donnait l'idée, il disait tiens, fais ça. Enfin, voilà la question, voilà l'idée pour le démontrer. Il y avait 90%, il suffisait juste de rédiger le truc. Et jamais il a co-signé. Enfin, il laissait complètement l'étudiant. Complètement propriétaire. Une fois, je me souviens d'un papier où il m'avait tout donné, et puis bon, je rédige le truc, et puis il me dit quand même, vous les normaliens, vous avez un sacré un sacré entraînement. Oui, bon, fallait simplement, c'est presque comme un exo-de-colle, quoi. Une fois qu'on avait donné l'idée, on faisait le truc, et puis peut-être que quand même tu me mets un petit remerciement dans le truc. Oui. Il demandait ça. Il voulait c'était ça. C'était le seul truc qu'il demandait. Ça. Et une fois aussi, je me souviens que j'étais arrivé avec une idée, et puis j'ai dit, tiens, je sais démontrer ce truc-là. Ah, zut, j'étais passé à côté de cette inégalité. Ah, celle-là, je ne la connaissais pas. Et alors, ouais. Il était très surpris qu'on arrivait avec un truc qui lui avait échappé. Patrice, tu as fait cette expérience. Mais il ne faisait, pas, souvent, il faisait ouais. pas sentir que, tiens, je te donne des trucs. Il disait, par exemple, hey, mais tiens, si je savais faire, je ne le donne pas. Hein. Moi, il me disait, si je savais faire, je ne le donnerais pas. Ouais, donc, mais enfin, ça valorisait mon travail. C'était pas genre travailler, sujet, je assez sais bien, faire. Ouais. Je vous fais vivre des miettes. Enfin, non, c'est pas ça. Ce côté de générosité intellectuelle qui, je trouve, manque beaucoup aujourd'hui. Et Arthur Avila, par exemple, insiste beaucoup dans la description de l'apport de Jean-Christophe sur le fait que son influence directe dans beaucoup de papiers n'est pas, ne transparaît pas dans le nom co-auteur, dans la publication. Il était très engagé dans beaucoup de papiers où il n'a pas signé. Très bien, merci beaucoup. Marguerite, deux mathématiciens, une mathématicienne. Bon, d'abord, je veux être étonnée d'être ici à raconter. Je ne veux pas avoir du tout le même rapport que Bassam avec Herman et Yokoz. Ça a été des amis, des gens qui m'ont accompagnée pendant tout mon parcours mathématique et que j'ai vu disparaître l'un en 2000 et l'autre en 2016. Comme ça, un peu surprise qu'on me demande de témoigner. Donc je vais revenir, parce que moi je n'ai pas des systèmes dynamiques, hein, ma thèse était en géométrie algébrique. Mais par contre j'ai connu Herman dès les années 1975. Alors voilà pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde mathématicien, il est fortement masculin. Et dans les années 70, et spécialement. Et aussi les chercheurs, les jeunes, ils étaient très isolés. Alors mes deux amis de faculté des années 70, là, c'était Christian Peskin et Lucien Spiro,
qui ont fait une thèse commune, le même fascicule pour les deux. Ils ont fait accepter ça par la communauté mathématique, ce qui n'était absolument pas le prototype souhaité. Et après leur thèse, ils avaient une certaine notoriété, ils ont commencé à créer un groupe de travail. Et ce groupe de... ils m'ont demandé si je pouvais participer. J'ai tout de suite participé. Et puis le groupe de travail a grossi. Alors, moi, j'étais la première femme. Petit à petit, il est arrivé une deuxième, troisième, quatrième. Finalement, on était quatre femmes dans ce groupe de travail, ce séminaire. Et le séminaire avait de plus en plus d'importance. Et on a eu une fois, on a dû aller à Oberwolfach faire un séminaire, le séminaire là-bas. Et lors de ce séminaire, Gerd Faltin a annoncé qu'il avait résolu une conjecture très connue en géométrie algébrique, une conjecture de Safarevitch. Lucien Spiro surtout était très étonné. Et quand on est rentré sur Paris, 15 jours après, Faltin annonçait qu'il avait la conjecture de Mordell. Et donc, ça lui a valu la médaille Field. Comment j'ai connu Michel ? Alors, Michel était très lié à Harold, que vous avez vu ce matin. Et Harold était lié à Lucien Spiro. Et Michel était très, très curieux. Alors, il venait, à la fin de notre séminaire, il venait nous questionner pour voir comment ça fonctionnait. Un groupe de travail, il n'y en avait pas tellement à cette époque-là. Et donc, il était là. Et puis surtout, il aimait cette demoiselle qui participait de ce groupe de travail. Voilà comment j'ai connu Hermann. Et puis, après, même lors la collaboration Hermann-Spiro, Hermann, il a dirigé la collection Astérix pendant un certain nombre d'années, de 86 à 91. Et puis, après, il a transmis le travail à Lucien Spiro. Après, moi, j'ai commencé à enseigner à Orsay. Et à Orsay, au bout de deux ans, j'ai enseigné avec Adrien Douady. Alors, Adrien Douady, c'est pareil, très communicatif et aussi qui était sensible à la gent féminine, m'a tout de suite incorporé. Et son équipe était vraiment très animée. C'était des années 84-85, était en plein essor de système dynamique dont je vais parler. Et donc, j'ai fait partie de cette équipe-là. Et alors, en 1982, Adrien Douady et puis Amal Hubbard, ils ont commencé à étudier la famille logistique. La famille logistique, c'est une famille d'application. Je donne la formule là, je ne veux pas baisser. Ah oui, pardon. Oui. Là, je donne la formule, la grande FA de X égale AX, facteur de 1 moins X. Cette famille est très très connue, c'est la loi d'évolution des populations. A est le paramètre d'évolution. Mais ils ne l'ont pas étudié sous cette forme-là, ils l'ont étudié sous une forme qui leur apparaissait plus adaptée. C'est la famille X au carré plus A. C'est la même famille, hein, vous faites un petit changement, c'est exactement la même famille. Et cette famille-là, elle possède une propriété. On peut distinguer les applications qui sont dans cette famille. Alors, comment on va les différencier ? On va regarder l'origine et sa trajectoire. Donc, FA de X, FFA de X, et ainsi de suite. Alors, si cette trajectoire va vers l'infini, bon, ça fait partie du premier paquet. Si, au contraire, la trajectoire reste bornée, ne s'éloigne pas à l'infini de l'origine, alors à ce moment-là, ça fait un ensemble qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. Si j'arrive, je vous le... Et normalement, on devrait le voir, le Mandelbrot.
Il est où? Ah voilà, pardon. Alors cet ensemble-là, c'est un ensemble très, très connu, hein, fractal dans les fractales, comme ça. Alors vous voyez l'extérieur de cet ensemble noir-là. Lui, il est très simple, hein, il est semblable à l'extérieur d'un disque de rayon 1 centré à l'origine. Et cette similarité qu'on a avec l'extérieur de cet ensemble de Mandelbrot, on aimerait bien qu'elle aille jusqu'à la frontière. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un disque rond comme ça, il y a des rayons externes qui partent, il y a des arguments, et donc ça donnerait, si on pouvait prouver que cette similarité, elle se transmet à la frontière, ça pourrait donner une description de cette frontière qui, vous voyez, est très, très, très compliquée, comme ça. Par contre, je reviens, pardon. Alors, ce problème de prolonger à la frontière, ça a donné lieu à une conjecture qu'on appelle MLC, que Bassam a parlé. Et alors, MLC, c'est pour Mandelbrot localement connexe, mais c'est essentiellement pour dire qu'on peut aller jusqu'au bord de cet ensemble M. Alors, après sa thèse en 1985, Jean-Christophe, il a commencé aussi, lui aussi, à vouloir essayer de s'attaquer à cette conjecture. Et il était allé à Polytechnique à ce moment-là, et puis on revenait souvent là, d'Orsay avec Adrien, on reprenait le RERB. Et assez souvent, Jean-Christophe apparaissait dans notre wagon et s'asseyait à côté d'Adrien. Alors, je ne vous dis pas, Jean-Christophe prenait un papier blanc, dessinait vaguement cet ensemble de Mandelbrot, et alors il commençait à mettre des 5 dixièmes, 8 septièmes, tout ça sur cet ensemble de Mandelbrot. C'était son habitude, il testait toujours sur des exemples, jusqu'à avoir un sentiment et tout ça. Et donc, trajet Paris-Orsay, pour moi, était mythique. C'était mes débuts en système dynamique, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était, mais je voyais Adrien complètement passionné par ça. Je n'ai jamais pris le train RERB avec Michel et Adrien ou Jean-Christophe. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant je le voyais assez souvent, Michel. Et alors il venait, il s'asseyait à côté de moi. Première chose qu'il faisait, il me questionnait sur Jean-Christophe. Qu'est-ce qu'il fait, ainsi de suite. Après, il se calmait, il me racontait son exposé, et puis ensuite, je recevais, dans la semaine qui suivait, les photocopies de ses notes là, sur le papier qu'il avait fait. Voilà. Alors, lors d'une conférence à Hillerød, au Danemark, c'était en 1980, un peu plus tard. Voilà, je suis un peu perdue. Il y a eu une conférence en 1993, il y a eu une conférence à Hillerød au Danemark. Et là, Jean-Christophe annonça qu'il savait démontrer cette conjecture MLC pour presque tout le bord de cet ensemble de Mandelbrot. Ce qui restait est une mesure zéro. Bon, mais c'est pas démontré. Et actuellement, il en reste encore un petit peu, hein, beaucoup moins que lors de Jean-Christophe. Bon, mais ceci dit, il a gagné la médaille Field avec ce résultat-là. Et ce résultat-là, il l'a exposé, mais il ne l'a pas écrit. Heureusement, dans l'assistance, il y avait John Amalubard qui a rédigé la démonstration.
Et alors, quand ça a été connu, l'attribution de la médaille Field pour Jean-Christophe, Adrien a dit, bon, à son équipe rapprochée, hein, il a dit, tous à Zurich, c'était là où était le congrès de l'ICM en 1994. Alors, on est allé à Zurich. Mais Jean-Christophe, il voulait que sa femme, il désirait que sa femme, Dalva, puisse assister aussi à sa remise de médaille. Donc il nous demanda, est-ce qu'on pouvait garder Thiago? Ok, on a gardé Thiago. Je n'ai pas vu grand-chose de la conférence, mais j'ai accompagné la petite famille, comme ça. Et après ça, Jean-Christophe, après sa médaille Field, il est parti de Orsay pour le Collège de France. Et cependant, il était resté très, très lié à Adrien. En 1997, le NS Lyon organise des journées dynamiques et géométrie complexe où Jean-Christophe avait fait une série de 3 exposés. Dynamique des polynômes quadratiques. Polynômes quadratiques, c'est la famille que je vous ai dit tout à l'heure. X2, X au carré plus A. Alors, ils m'ont demandé, comme ça, sans me prévenir avant et ou après, les organisateurs m'ont demandé si je pouvais rédiger les exposés de Jean-Christophe. Jean-Christophe n'écrivait pas beaucoup. Les organisateurs, c'était moi. Hein. Oui. Et je me souviens bien que c'est parce que Jean-Christophe, il avait un peu la flemme pour écrire. Hein, donc, voilà, c'est ça. Non, parce qu'on ne m'avait pas dit. Je n'ai même pas assisté au 3e exposé. Et comme ça. Et c'est quelques mois après, bien sûr, je n'avais pas bien fait le travail, quelques mois après, on me dit, mais attends, ça va paraître un panorama et synthèse. Alors, c'était effectivement, j'étais bien loin de ça. J'avais juste les transparents de Jean-Christophe. Jean-Christophe, il écrivait 4 lignes sur chaque transparent, et ainsi de suite. Donc, c'était pas faisable. Mais heureusement, je ne sais pas qui... Il y avait un mathématicien qui avait enregistré les exposés, et donc avec ça, j'ai pu écrire le texte. Et en plus, Jean-Christophe en a profité pour rédiger la démonstration du théorème de Jacobson, comme ça. Dans les années 96-98, Christine Hermann, l'épouse de Hermann, qui était peintre, a fait une exposition dans le 13e arrondissement. Je suis allée au vernissage, et là, comme elle savait que j'habitais le 14e, elle m'a demandé est-ce que je pouvais l'aider à avoir une adresse dans le 14e afin qu'elle puisse participer à diverses expositions. Bon, j'ai aidé, effectivement. Jusqu'à maintenant, je reçois des enveloppes Christine Hermann Flexor. Et ça fait il y a longtemps. Mais pour me remercier, Michel, à Rio, m'a invité dans un très bon restaurant portugais. Très bien. Il ne m'a parlé toute la soirée que de Jean-Christophe. J'étais un peu comme ça. Mais alors, dans les années 95-2000, Michel était très sensible aux conditions que l'IMPA lui offrait. Hein. Il y avait un chauffeur qui venait le chercher, et ainsi de suite. Pour quelqu'un qui est handicapé, c'était vraiment très bien, rentrer directement dans le bâtiment. Et donc, il a émis le souhait de faire son émérita à Rio, à l'IMPA. Et puis, comme il sentait tout de même affaibli, si on pouvait disperser ses cendres dans la baie de Rio. Bon. Et la dernière année, là, dans l'année 2000, il y a Stefano Marmi, il a organisé une conférence en décembre. C'était pas moi que j'ai organisé la conférence. C'était une conférence organisée par Luigi Chier, qui est à Rome. Ça faut m'excuser parce que comme c'est une période tellement longue dans l'histoire... Non, merci. Très bien, comme ça. Et c'était à 500 mètres dans la maison de l'architecture et à 500 mètres du Colisée.
le matin, je rencontrais, vers 10h, je rencontrais Jean-Christophe qui revenait d'une promenade archéologique et puis il me racontait et ainsi de suite. Et moi, bon, je dois avouer que j'allais pas à 10h du... À 8h du matin, j'allais pas visiter, mais vers 10h30, 11h, tout de même, le Colisée et ainsi de suite, j'y allais. Et Michel, lui, était blasé sur l'archéologie romaine et compagnie, donc il ne m'a parlé que de vases grecs. Il avait une passion pour les vases grecs à ce moment-là, je crois. Et voilà, c'est la dernière image que j'ai de lui. Par contre, il était très, très prolixe hein, quand ça lui plaisait. Alors, malheureusement, c'était 2 mois avant qu'il décède. Et un jour, en 2001, après son cours, Jean-Christophe, après son cours au Collège de France, comme ça, c'était un jour froid, je me rappelle, un jour froid et gris, et il me raconte qu'il a des problèmes avec le désir de Michel d'avoir ses cendres dispersées dans la baie de Rio. Et je lui demande, mais pourquoi ? Il dit, bon, qui va transporter l'urne ? Alors, je lui demande, il me dit, mais toi ? J'étais un peu surprise, ingénue. J'ai dit, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Elle m'a dit, mais toi, tu as l'assentiment de sa femme. Donc, on a transporté les cendres et Jacob Palis a lancé les cendres dans la forêt Tijuca, au-dessus de Limpa, avec vue sur la mer, comme ça. Mais... Alors, dans les années 2000, je vais être très brève, dans les années 2000, la dynamique holomorphe n'intéressait pas Jean-Christophe, il avait cessé d'en faire complètement. Mais par contre, il suivait les résultats essentiels de la dynamique holomorphe. Par exemple, il a suivi l'évolution de la démonstration d'un ensemble de Julia de mesures positives, il l'a suivi tout le temps. Cette démonstration était faite par 2 élèves de Adrien Douady, Xavier Buff et Arnaud Chérita. De ces années-là, je ne retire pas tellement. Je veux dire, j'allais au séminaire. J'allais au café après, comme l'a dit Bassam, après le séminaire d'Hermann qui était devenu Yokoz, le séminaire de Yokoz. Et non, c'était tout lisse à ce moment-là. Bon, par contre, Jean-Christophe et Dalva, sa femme, étaient séparés, mais ils restaient très proches. Et Dalva décéda. Mais c'est Jean-Christophe qui organisa la dispersion des cendres de Dalva à Rio, paya le voyage pour Thiago et son ami, et aussi pour le compagnon de Dalva. Comme ça. Et il a eu une période de rémission dans sa maladie, Jean-Christophe, et il s'était rapproché de Thiago. Et il évoquait même le désir de Thiago de quitter la région parisienne pour s'établir en Bretagne, éventuellement dans la maison familiale. Je rapporte mes discussions avec Jean-Christophe. Donc, souvent, lorsqu'une conférence était prête... était proche d'un site historique ou d'un espace naturel propice aux randonnées. Jean-Christophe s'accordait 2-3 jours de vacances, comme ça, et souvent faisait ses randonnées seul. Quand au retour, alors il vous racontait abondamment qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qu'il avait fait, et ainsi de suite. Donc, par ailleurs, les échecs, l'intégralité de Simenon, de Proust, de Game of Thrones, il était malade à ce moment-là,
et c'était aussi une bonne alternative aux mathématiques. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Juste une précision sur les dates où il annonça cette démonstration de locale connexité des points renormalisables. Je crois que c'était en 91 à Orsay. Il a fait une série de séminaires dont j'ai les notes d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne pensait pas qu'on lui a donné la médaille Fields par ce résultat. Comme il m'a dit, c'était plutôt son optimalité de la condition de Bruno. D'ailleurs, de l'avis de Moser aussi, c'était ça que lui a valu la médaille Fields. Et peut-être, puisqu'on parle d'anecdotes, je me rappelle Michel Herrmann. Donc, tous les étudiants de Michel Herrmann fumaient, et il était surpris que je ne fume pas. Et un jour, il vient me dire que tous les bons mathématiciens fumaient. Bon, quand même, j'ai résisté. Il t'a dit ça à quelle époque ? À quelle époque ? C'était. Ça doit être en 90. Oui, quand j'ai présenté ma thèse, il m'a torturé pendant un mois et demi, parce qu'il était rapporteur de ma thèse. Donc je m'amenais deux fois par semaine à l'Institut Poincaré, où je leur racontais la thèse ligne par ligne. Et à la fin, j'avais le malheur d'utiliser pour un résultat secondaire le théorème d'Alfors-Berz. Il m'a demandé de lui démontrer. Donc on a pris rendez-vous pour la semaine suivante, et je l'ai démontré, mais bien sûr, je ne connaissais pas la démonstration par cœur. Mais bon, c'est juste pour insister sur le fait qu'il insistait beaucoup sur qu'on n'utilise pas des résultats qu'on ne sache pas démontrer, qu'on n'ait pas vérifié nous-mêmes. Ce qui est une bonne leçon pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Eh bien, on passe à la partie brésilienne. Matheus va nous parler des rapports entre Jean-Christophe et Michel lors de le séjour brésilien de Jean-Christophe. Ok, merci beaucoup de m'accueillir ici à l'Académie des sciences, un endroit que Jean-Christophe adorait, aussi comme au collège. Donc j'ai choisi pour titre Jean-Christophe et Yokos en Terra Brasilis, donc juste pour faire une petite blague avec le fait que le Brésil s'appelle Terra Brasilis. Donc ça c'est la dénomination du Brésil avant l'arrivée des Européens, donc on appelle le Brésil comme ça. Donc en effet, mon exposé est plus ou moins divisé en deux parties. Ça se passe. Il y aura une petite partie, enfin une grande partie en effet historique. Donc, en gros, raconter, comme Étienne disait, les rapports de Michel, Jean-Christophe et du Brésil. Et à la fin, si j'ai du temps, je vais raconter un peu quand même des maths. Pas directement des maths de Jean-Christophe, mais une très belle application d'un théorème de Jean-Christophe avec des collaborateurs allemands et brésiliens. Et donc, voilà, on va partir pour la partie historique. Donc, en effet, comme c'était mentionné par d'autres orateurs, Michel et Jean-Christophe avaient construit une belle amitié avec la communauté des mathématiciens brésiliens. Et en effet, je suis dans un certain sens un tout petit sous-produit de cette relation. Et donc, juste pour donner la preuve que les Brésiliens adoraient Michel et Jean-Christophe, je voudrais mentionner qu'il y a une partie de la collection, une partie de la bibliothèque de l'INPA à Rio de Janeiro, qui s'appelle la collection Michel Herrmann. Donc, en effet, une partie des livres, mathématiques d'Herrmann était donnée à la bibliothèque LIMPA en 2000 lors de son décès. Et en effet, et plus récemment, en effet, le CNRS a fait un accord avec LIMPA. Et aujourd'hui, l'unité mixte internationale s'appelle UMI Jean-Christophe Yocor CNRS LIMPA. Et donc, si vous allez à Rio de Janeiro un jour, vous allez voir cette façade-là, donc l'INPA, avec l'unité mixte internationale Jean-Christophe Yocor CNRS INPA. Voilà, donc ils étaient très liés au Brésil, et donc en effet, je vais raconter un peu à travers une sélection des lettres qui étaient échangées par Michel et Jean-Christophe,
à la, un peu la naissance de cette amitié, en quelque sorte, enfin, du point de vue de Jean-Christophe. Donc je vais focaliser sur Jean-Christophe. Parce qu'en effet, j'ai rencontré Jean-Christophe et Michel pour la première fois en 2000, lors d'une conférence pour les 60 ans de Jacob Palis, donc à l'époque était directeur de l'INPA. Et j'ai rencontré tardivement parce qu'en effet, j'ai quitté ma ville, Aracaju, pour faire mes études de master à Rio seulement en 99. Et donc, du point de vue concret, en effet, j'ai dû bouger des 1850 km à peu près, donc c'est la distance entre Aracaju et Rio de Janeiro. Donc voilà, donc j'ai retrouvé en 2000 les deux bonhommes. Et donc à l'époque, bien sûr, j'ignorais les travaux merveilleux d'Hermann sur la conjecture d'Arnold et les travaux d'Yoko sur l'optimalité de continu Bruno, etc. Parce que j'ai commencé en quelque sorte les masters. Enfin, non, j'étais en fin de master, j'ai commencé le doctorat. Mais à l'époque, en effet, j'ai pu constater que Michel était très rigoureux parce que j'ai vu en action une fois. Et je peux vous raconter un privé qui, en effet, il a eu un comportement insolite pendant cette thèse d'un bon ami brésilien. Je peux vous raconter les détails après, mais voilà. Donc, disons qu'il était très. Enfin, il était très costaud pour exprimer le fait qu'il n'était pas content avec un certain aspect de ce qu'il racontait cet élève. Enfin, c'était un aspect historique, pas strictement mathématique, mais bon, bref. Donc j'étais très étonné parce que j'étais dans l'auditorium, j'ai vu ce petit monsieur avec une canne qui s'exprimait de façon très vigoureuse. Et j'ai vu aussi pendant la conférence de Palis l'exposé de Jean-Christophe, je me rappelle très bien, et en effet j'étais étonné parce qu'il aimait la précision, donc il n'a pas hésité à commencer son exposé par définir toutes les notations. C'était très compliqué pour moi parce que je connaissais à peine la notion de qu'est-ce que c'était un fer à cheval. Et il parlait déjà des objets encore plus compliqués que ça, c'est ce qu'il appelle les fer à cheval dans une forme hyperbolique. Et par ironie de destin, en effet, j'ai assisté à un exposé que je n'ai pas compris au bout de 5 minutes parce que bon, c'était ma faute, je n'avais pas les bagages mathématiques pour ça. Mais en effet, par ironie de destin, j'allais travailler avec Jean-Christophe et Palis en 2009. Donc je savais, bon, à l'époque, on ne savait pas ça, mais. C'était un peu drôle. Donc, en effet, même si j'ai raté qu'est-ce qu'il voulait raconter à cette époque-là, ça allait revenir sur mon chemin. Donc, en effet, comme je vous avais dit, j'ai rencontré Michel pour la première fois en 2000. Donc, en particulier, je n'ai pas pu côtoyer Michel parce qu'il est décédé la même année, comme c'était déjà raconté ici. Mais par contre, je suis venu définitivement en France en 2007 pour faire un postdoc au Collège de France avec Yokos. Et c'était enfin, une immense chance de devenir ami et co-auteur fréquent d'un de mes grands héros mathématiques. Et c'est parce qu'en effet, c'est avec Jean-Christophe que j'ai appris à être un mathématicien professionnel. C'est mon maître à penser, c'est clair, et je regrette sa disparition en 2016. Mais bon, parlons des bonnes choses. Cette amitié avec Jean-Christophe, a fait que j'ai eu l'immense, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était un immense honneur pour moi d'accepter l'invitation de la famille de Jean-Christophe, notamment ses frères et son fils. Et je suis devenu responsable pour les archives mathématiques de Jean-Christophe. Et parmi les petits trésors, en effet, bon, si vous êtes curieux, je commence à disponibiliser les fichiers sur un site à l'image de ce que Jean-Christophe a fait pour Michel. Donc, quand Michel est décédé, Jean-Christophe a invité ses amis proches pour réviser les archives d'Hermann. J'essaie d'imiter à ma façon. Donc, en effet, j'ai contacté les collègues. Donc, avec Alain Chancenet, on a fait un petit bout de morceau sur les configurations centrales. Avec Patrice, on a fait un autre petit bout. Et voilà. Donc, en effet, j'essaie d'imiter Jean-Christophe, bien sûr. Et pour les archives. Et dans ces archives, on trouve des petits trésors, bien sûr. Et parmi ces petits trésors, il y a la correspondance que Jean-Christophe a entretenue avec Michel à l'époque qu'il était coopérant scientifique. Bon, en effet, les mots qu'il utilise dans une des lettres, c'est service militaire, mais ces mots-là sont un peu interdits par un des organisateurs de ces colloques. Donc, parce qu'il s'agit de volontaires du service national actif.
qui ne sont pas des militaires. mais on voit... Bon, je veux... À faire suivre. Bon. OK, donc en effet, je vais commencer à montrer les lettres maintenant. Donc c'est des lettres entre 80 et 83. Et donc je commence par une lettre mathématique. Donc je ne sais pas si c'est très lisible. Donc c'est une lettre de Jean-Christophe et de Cher Michel. J'ai écrit ces petits mots à propos de mon article sur la conjugaison sans fini. Donc en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il cherche à raconter à Michel ses progrès sur ce qui Bassam appelait le théorème optimal. Donc c'est un article qu'il a écrit en 84, paru aux Annales de l'ENS, qui en gros c'est la version, c'est la conjecture d'Arnold, version optimale. Et donc ici il discute quel genre d'exposant il peut gagner. Donc en effet, on voit bien qu'il y a un diff k, après il y a un diff k 2 sur bêta, et qui après il dit j'étais certain qu'on pouvait améliorer. Et donc il donne même une estimation de qu'est-ce qu'il peut faire. Donc il dit je crois, donc il mentionne une valeur de type k moins 2 moins bêta. Donc en effet, il se rapproche petit à petit dans cette lettre de la version finale du résultat. Et il dit qu'il est très optimiste, donc il va faire taper, corriger, qu'il va envoyer à Michel Herman. Donc ça, c'était une lettre un peu, disons, mathématique, mais c'était pas, les relations étaient un peu entre maths et une relation élève-maître qui était presque père-fils. Par exemple, la deuxième lettre, c'est pas très visible non plus, mais je peux résumer. Donc il dit au début, j'espère, donc dans le premier paragraphe, donc la deuxième phrase, j'espère que ton génie s'est amélioré depuis que tu m'as écrit. Octobre et novembre étant en général humide, cela doit être pour toi la période la plus pénible. Donc en effet, il y avait dans les lettres, on trouve des questions, des rapports personnels et des maths aussi. Donc on voit bien après qu'il parle d'un papier périodique, qui par ailleurs c'est le unique papier Hermaniakos. Et il dit aussi qu'il va proposer à Palise son papier qu'ils ont écrit sur le théorème de Pessin. Aussi, il n'est pas très pressé de rentrer en France, donc il dit « je n'ai pas du tout à réfléchir encore à la question des postes à Orsay. Je crois que ça peut attendre un peu. Je compte en effet préparer un cours. Je constate en effet qu'il préparait un cours prend beaucoup de temps. Et donc, en effet, elle dit que même si à l'IMPA, il n'a pas de soucis administratifs, préparer un cours, ce n'est pas facile. Donc, il n'est pas pressé de devenir maître de conférence au prof à Orsay. Et il explique qu'en effet, dans le cadre de l'IMPA, ce qui se passe, c'est que pendant l'été brésilien, il y a des cours. Et donc, la première moitié de ces cours, normalement, c'est des Brésiliens qui viennent de tous les pays faire les cours. Et donc, il explique que le niveau est assez bas. Mais qui, dans la deuxième partie, après le carnaval, il reste que les élèves de l'IMPA et donc il peut faire des choses plus élaborées. Et donc, il dit aussi à la fin, le dernier paragraphe, à part ça, je me plais beaucoup au Brésil, et à l'IMPA en particulier. Il mentionne, pour Noël, j'ai fait 15 jours dans le Nord-Est, donc Belém, Fortaleza, São Luís, avec une amie. Bon, en effet, Marguerite a déjà dévoilé quel est le nom de l'amie, c'est Dalva. Donc, il y a la famille là-bas. Donc, ça sera mon premier grand voyage en bus. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça se finit, cette deuxième lettre. Ah oui, j'ai cru pendant 3 jours avoir démontré Ziegel. Et voilà, après, il continue. Donc, la troisième lettre. Bon, c'est dommage que je n'ai pas pu faire un travail raisonnable avec... mes photocopies, mais je peux vous lire au moins. Donc, en effet, dans cette troisième lettre, il commence par dire « Le Brésil s'arrête d'ici 10 jours et pendant un mois, parce que c'est la Coupe du Monde de 82. » Ici aussi, on peut constater, si on a des bons yeux, qu'il fait un petit débat politique avec Michel Herman. Donc, en effet, Michel demande « Qu'est-ce qu'ils pensent les Brésiliens sur la guerre des Malouines ?» à cette époque. Et donc, en effet, l'attitude des Brésiliennes est un peu partagée. Donc,
Il dit que les grands journaux du bas niveau sont pour l'Argentine, contre le colonialisme, etc. Mais qu'en effet, les intellectuels ne sont pas si proches des Argentins que ça, bon, etc. Bon. Donc il fait un petit discours aussi sur la politique pour informer vraiment qu'est-ce que les Brésiliens sur place pensent. Ensuite, il demande une prolongation. Donc, en effet, il s'amuse, il se plaît beaucoup au Brésil. Donc, il veut que son séjour. Donc, là, il mentionne mon service militaire. va finir en février, mars 83. Et donc, il aimerait bien que ça soit étendu jusqu'à jusqu'à août 83. Et donc, en effet, il donne donc les contacts de son père. Donc, il dit, ah, j'ai parlé avec mon père. Donc, il a même l'adresse. Donc, je ne vais pas lire l'adresse quand même. Mais bon, les derniers paragraphes, c'est l'adresse et les téléphones de Jean Yokos. Voilà, donc, il demande de contacter son père pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que son séjour au Brésil soit prolongé. Donc, il était très content au Brésil. Donc, ah oui, si tu as des doutes processus administratif, tu peux prendre contact avec mon père. Bon, et après l'adresse, il ne veut pas lire. Voilà, donc la quatrième lettre que je voudrais présenter, c'est une lettre de Jean-Christophe qui parle encore. Donc il est très anxieux pour savoir la réponse, si la prolongation aura lieu ou pas. Donc il demande des nouvelles. Donc, d'abord, il dit, voici un annexe, la demande au directeur du CNRS pour prolonger son séjour. Sinon, il commence à dire dans les deuxièmes paragraphes, ici, il fait un temps splendide, il va passer des vacances à Foz do Iguaçu. C'est la dernière occasion avant que les chutes soient recouvertes par la barrage d'Itaipu. Parce qu'effectivement, Itaipu, c'est une barrage qui était finie en 82. Et donc, avec, comme tout bon barrage, ça va inonder la nature. Donc, en effet, il était un des derniers à voir la Fosse d'Iguaçu comme il était avant la barrage d'Itaipu. Après, il dénonce les Français qui sont, les mathématiciens, parce qu'il y a des Français qui sont dans les barrages. Donc, il mentionne Rémy Langevin, bon, il mentionne Floristacques, Newhouse. Il dit aussi qu'il commence à lire les papiers d'Hermann sur les anneaux d'Hermann, et on va y revenir. Et aussi, il mentionne Raphaël Douady. Donc, il a dit qu'il a pu avoir une copie de la thèse de Raphaël. Et pour le post-scriptum, il dit qu'il a fui pratiquement l'écriture de son papier sur la couture d'Arnold. Voilà. Donc, il avait annoncé, mais il n'a pas encore pu travailler. Cinquième lettre. Donc ça, c'est après à Foz do Iguaçu. Donc il dit qu'il était pour Canjou. Donc c'était super, les cataractes qui sont superbes. Il dénonce encore d'autres Français qui passaient des bons temps au Brésil, donc notamment Marc Chaperon, Gilles Pizier. Il dit qu'il termine toujours son papier sur Arnold Optimal, qu'il va envoyer aux annales de l'ENS, bien sûr. Après, il commence à mentionner ses progrès sur la relecture d'un papier de Hall, qui en effet, après, a motivé un papier très célèbre qu'il a publié au compte rendu au CRAS, enfin, de l'Académie, qui s'appelle Il n'y a pas de contre-exemple des dangers analytiques. Donc, c'est un article célèbre. Et aussi, il dit qu'il était en train d'être rapporteur pour un autre article, et il dit que, bon, c'est. Le fait qu'il soit rapporteur, c'est un secret des polichinelles, parce que Marc était au courant. Voilà, il dénonce entre parenthèses. Et sinon, il demande encore sur les prolongements, et donc il veut savoir assez vite, officieusement, si les prolongements ont été acceptés. Porte-toi bien, Jean-Christophe. Donc, la sixième lettre. Donc, en effet, ces deux parties, j'ai composé en deux parties parce qu'il y a. En effet, cette première partie-là, il s'est plaint que son papier sur Arnold Optimal a été tapé, et j'espère qu'il n'a pas trop de coquilles, parce qu'il a été tapé par un type. Le type qu'il a tapé ne parle pas un mot de français. Donc, bon. Et, en effet, je connais ce monsieur. C'est un monsieur qui, en effet, a tapé tous les articles pour les gens. Wilson. Oui, je ne vais pas dénoncer les noms parce que c'est enregistré, mais bon, ok. Voilà, bon.
je ne voulais pas dire de mal parce que c'est un monsieur hyper gentil, mais voilà, donc Jean-Christophe se plaignait un peu. Quoi d'autre j'ai noté? Oui, après, il parle des maths, mais ce n'est pas ça que je veux me concentrer. Donc, je voudrais juste dire qu'il donne des nouvelles sur cet article optimal, qu'il s'y plaint un peu, et qu'après, il commence à discuter des maths. Et la deuxième partie, c'est très intéressant, parce qu'il dit, à part ça, par contagion, donc ton papier sur la dynamique complexe, les théorèmes de Manier-Salt-Sullivan, il commence à réfléchir, il avoue qu'il commence à réfléchir aux dynamiques des fractions rationnelles. Et sur le deuxième point, il mentionne un nœud invariant, donc baptisé d'Hermann par Manier. Et sur l'autre page, je ne veux pas détailler, parce que ce n'est pas la peine de faire des détails mathématiques ici, mais il émet une conjecture très optimiste sur comment utiliser la géométrie algébrique, donc il y a notamment les mots variété algébrique, pour étudier la dynamique des fractions rationnelles. Donc il y a une conjecture très très optimiste, et il émet cette conjecture comme ça, il propose cette conjecture à Hermann. Et à la fin, il dit, une fois de plus, j'espère que tu ne souffres pas trop ton genou. Bon, les genoux, c'est un sujet courant. Ah oui, il mentionne aussi que le 15 novembre, il y aura des élections générales. Donc, le Brésil est en campagne. Donc, en effet, en 82, il y a eu des élections générales pour sénateurs, gouverneurs et députés. Donc, septième lettre. Donc là, c'est intéressant, c'est une lettre d'Hermann à Jean-Christophe. Et cette lettre-là, je l'adore pour plusieurs raisons. Donc, il dit au début, je crois que oui, c'est pas terrible pour lire, mais il dit au début que tout va bien du point de vue administratif pour que son séjour soit prolongé jusqu'à fin août. On peut remarquer fin août là-haut. Et donc après, tout en bas de la première page, il dit « Pour les anneaux, baptisé de mon nom par un certain mathématicien très célèbre, puisque depuis 1975, je disais, contrairement à ce qui était affirmé dans plusieurs articles, qu'ils existaient et étaient une source de contre-exemple à un certain nombre d'affirmations fausses et constituaient, pour mon plus grand bonheur, une source d'agacement pour ces messieurs depuis la fin 81. » Donc, en effet, ces morceaux-là, je l'adore parce que Hermann avait le bon goût de réfléchir non seulement à comment il allait attaquer une preuve, mais il gardait toujours un arsenal de contre-exemples. Donc il adorait construire des contre-exemples. C'était une personne qui avait réfléchi à une multitude de questions. Et dès que quelqu'un proposait une conjecture ou avançait une affirmation, normalement il allait pêcher dans sa liste des contre-exemples pour voir si ça tenait la route ou pas. Donc en effet, ça montre un peu. Donc, qui depuis longtemps il avait ces exemples, enfin que c'est les anneaux d'Hermann, et qui en effet c'était un contre-exemple en extension d'un théorème quand on essaie de passer des polynômes complexes aux fractions rationnelles. Il faut considérer un domaine de plus dans la classification. Bon, je ne veux pas parler trop de maths à cet stade. Et aussi, il y a une deuxième partie dans cette lettre qui c'est... oui, c'est ça, donc c'est tout en bas. Il dit, il mentionne quelque chose, donc je ne vois pas, etc. Et après, il souligne, je serais très heureux de savoir comment tu le fais. Donc en effet, normalement, Jean-Christophe me disait que ça, c'était les prérogatives de quelque chose qui allait échouer. Donc en effet, ça, c'est une phrase qui a un rapport avec cette conjecture que j'avais mentionnée tout à l'heure sur comment utiliser la géométrie algébrique pour étudier les fractions rationnelles. Donc en gros, Hermann ne croyait pas trop à ce que Jean-Christophe disait. Et en effet, si on lit la suite des lettres, il propose des contre-exemples à ce que Jean-Christophe avançait. Et voilà la réponse de Jean-Christophe. Il donne une heuristique, en effet, pourquoi il semble qu'il pourrait au moins sauver une partie de sa conjecture. Mais à la fin, il admet quand même, il dit, à part ça, donc tout à la fin de la première... Donc, à part ça, je disais des bêtises quand j'espérais que les fractions rationnelles possédaient des anneaux invariants formés en variété algébrique. Donc, on peut pas, donc, sa conjecture était trop optimiste. Merci pour les contre-exemples. Donc, en effet, ça prouve que Michel Hermann était très, très fort en produit des contre-exemples et qu'il avait réfléchi à un nombre gigantesque de questions. Et la dernière lettre, pour clôturer la partie historique...
il dit, cher Michel, voici enfin l'article d'Arnold généralisé. Donc, après passer beaucoup de temps à rédiger, il a fini. Donc, il annonce la version optimale avec K-1, moins bêta, moins epsilon. Donc, il a même gagné un facteur de 1 par rapport à ce qu'il avait dit. C'était K-2, moins bêta. Il a fait aussi taper son article que j'avais mentionné sur « Il n'y a pas de contre-exemple de danger analytique » et qu'il soumet au CRAS, au compte-rendu de l'Académie. Ensuite, il dit qu'il va passer des vacances au Nord-Est en janvier, enfin, qu'il a passé des vacances au Nord-Est, donc plage magnifique et 3 points, donc on peut imaginer qu'il a bien s'amusé. Et en plus, il mentionne qu'il s'entendait très mal par téléphone quand il fallait décider quelle période d'une conférence à Berkeley Jean-Christophe allait passer. Donc, et sinon, il a la phrase, il a le paragraphe tout à la fin que j'adore aussi, qui dit « J'espère que tu vas bien et je te quitte pour aller au séminaire de Sullivan. Demain commence le carnaval, je vais défiler. » Et donc, ça peut paraître une phrase très abstraite en France, mais selon Wikipédia, défiler, ça signifie ça. Donc, en effet, la chose intéressante, c'est qu'effectivement, Jean-Christophe a défilé 2 fois. La première fois, il était champion avec Imperio Serrano. Et la deuxième, il était presque dernier. Donc, il a connu les 2 buts du ranking des défilés des écoles de samba. Voilà, donc ça c'est pour la partie historique. Maintenant, je veux essayer de vous raconter quand même un peu de maths, si j'ai le temps. Donc, en effet, comme je l'avais dit, je ne vais pas raconter directement en termes de Jean-Christophe, mais je vais raconter une application que je crois qui peut vous faire écho. Je ne sais pas, bon, je vais tenter. Je me lance dans l'exercice. Hop. Donc, en effet, comme je l'avais dit, j'ai eu l'énorme chance de devenir co-auteur de mon héros mathématique. Et donc, en effet, on a écrit 7 articles, enfin plus. En effet, il y a des choses en cours, mais bon. Et parmi ça, j'estime que notre article avec Martin Mollet est de loin le plus beau. Et donc, en effet, cette photo-là, c'est une photo qui était prise lorsqu'on travaillait sur cet article. Elle était prise à l'Institut Mittag-Leffler, donc qui au Cornelius en faisait allusion. C'était en 2010, donc pendant la conférence qu'aucun a mentionné aussi, quand Christophe avait été très content là-bas. Et c'était une photo qui était prise à 6h30 du matin. Bon, pour ceux qui connaissent Christophe, ça, c'est pas étonnant. Mais voilà, donc en effet, ça, c'est une photo, on regarde les tableaux, on regarde un peu des matrices, etc. Et ce travail, qui j'aime beaucoup, il m'a marqué parce qu'en gros, ce qu'on fait dans ce travail, les grandes lignes, c'est la chose suivante. On essaie d'attaquer des problèmes sur ce qu'on appelle les exposants de Lyapunov. Donc, c'est des quantités, c'est des nombres réels qui mesurent les chaos dans un système dynamique, en quelque sorte. Donc, c'est un objet de système dynamique. Et pour étudier ces exposants de Lyapunov, on a utilisé des outils qui ne sont pas habituels dans cette partie des dynamiques. Donc, en effet, on a fait appel à la théorie de Galois. Donc, c'est un peu étonnant si on pense au fait que les exponents pour nous ont la tendance d'être des nombres transcendants. Mais bon, quand même, on utilise la théorie de Galois et on utilise le théorème de Ziegler et Fouting, ce qui était mentionné par Marguerite. Et donc, en effet, je suis très content de ces papiers. Mais malheureusement, donc voilà, une photo de Jean-Christophe en train de faire un cours au collège. Expliquant ce théorème, et en gros, et en bas on peut voir Ziegler, enfin on voit juste le E, G, L et Fouting's, donc on voit Ziegler et Fouting's. Et en effet, ça c'est une photo qui était prise presque au même moment de l'autre photo qui fait partie de l'affiche de ce colloque. En effet, il fait ça et après il fait avec les doigts comme ça. C'était le photographe du collège qui a pris les photos. Donc je suis assez fier de ce théorème. Mais malheureusement, je ne peux pas vous raconter en quelques minutes ça, parce que bon, c'est un peu compliqué de raconter la théorie de Galois, Fouting's et Sponnet pour nous. Mais ce que je peux vous offrir, pour me faire pardonner, c'est une application. Donc l'application, c'est la suivante. Dans les années 80, il y a un mathématicien, s'appelle Sergei Petrovitch Novikov. Il était intéressé par les trajectoires d'un électron semi-classique dans un métal sous l'influence d'un champ magnétique uniforme.
Donc, en effet, ce qui se passe, si j'ai bien compris du point de vue physique, qu'est-ce qui se passe, l'idée, c'est que l'électron, comme l'énergie est quantisée, il va bouger dans ce qu'on appelle les surfaces de Fermi. Donc, il est constant à une surface, qui s'appelle la surface de Fermi. Et le fait d'avoir mis un champ magnétique, ça veut dire que bon, le champ magnétique est uniforme, donc ça veut dire qu'il est constant le long d'une direction. Donc ça veut dire qu'en effet, on est en train de prendre cette surface, la découper par des plans qui sont orthogonaux à la direction du champ magnétique, et l'électron doit se balader dans l'intersection de la surface avec l'hyperplan. Donc du point de vue concret, ça, ce sont les surfaces de Fermi de l'étain, du fer et de l'or, selon les physiciens théoriciens. Donc on voit des jolis motifs un peu périodiques, parce qu'en effet, la chose s'y agence de façon périodique, comme on pourrait dire. Donc voilà, on a ces surfaces-là où l'électron avec une énergie fixée peut se balader. Et maintenant, avec les champs magnétiques, on va trancher cette surface par des hyperplans. Donc voici une figure faite à l'aide de l'ordinateur. Disons, si on prend la surface de Fermi de l'étain, on fait un peu droite quand même pour pouvoir dessiner l'ordinateur, et on découpe par un hyperplan. En effet, l'électron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bouger le long des lignes noires grasses, quoi. Et donc c'est ça. Et donc il ne peut pas bouger parce qu'il doit être à la fois à la surface et constant par les champs magnétiques. Et donc, si on fait des expérimentations numériques, en gros, on trouve ce genre de figure pour la trajectoire de l'électron. Donc, en effet, il commence au point X et après un certain temps T, il va dessiner une tache sur le plan. En effet, pour les gens qui aiment les mots savants, en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est les feuilles d'une feuilletage de cette surface, mais bon, OK. C'est une tache. Les feuilletages n'existaient pas, c'est une tâche qui était en train de grandir avec le temps. Pardon. Elle est en train de grandir avec le temps. Et la question de Novikov, c'est qu'est-ce qui arrive à cette tâche? Et donc, qu'est-ce qui arrive à cette tâche? On peut dire à la chose suivante, on peut se demander quel est le taux de diffusion à l'infini de cette tâche. Donc, comment elle grandit? Donc, qu'est-ce que c'est le taux de diffusion? Le taux de diffusion, c'est la chose suivante. On va mesurer la distance du point de départ et le point après tant T. Ça donne une distance, disons 10 mètres. Par une raison technique, on prend les logs. Bon, vous pouvez oublier les logs. Et après, on compare par rapport au temps qu'on a attendu jusqu'à voir ces deux points. Et donc, ces quotients, ça va converger vers un chiffre, gamma, qui c'est le taux de diffusion. Et donc, quels sont les taux de diffusion possibles? Et donc, en effet, la question de Novikov, c'était quel est le taux de diffusion pour ces problèmes-là? Dans un cadre d'harmonie, en quelque sorte, donc si il n'y avait pas d'obstacle, on verrait juste une croissance linéaire. Donc s'il n'y a pas d'empêchement dans la surface, l'électron va juste bouger le long d'une droite et c'est tout. Et donc une droite, si on la parcourt à vitesse 1, la distance c'est exactement le temps et donc le quotient c'est parfaitement 1. Donc dans un cadre d'harmonie, on s'attend à que gamma soit 1. Par contre, si on est dans un cadre chaotique, on pourrait imaginer que la tâche ressemble un peu au mouvement brownien, quoi. Donc, en gros, la particule va bouger un peu de façon aléatoire dans les plans. Et si on a un vrai mouvement brownien, on sait que par ce qu'on appelle le théorème central limite, enfin, qui évoque les courbes cloches, etc., ce rapport doit être 1/2. Pourquoi? Parce qu'en gros, si on se souvient des théorèmes central limite, il y a toujours une racine de t qui apparaît quelque part. Donc, en gros, 1/2, c'est le rapport entre les logs des racines de t sur log t. Et la question de Novikov, c'est bon, est-ce qu'on est plus proche de l'harmonie ou du chaos? Et le théorème qui est dû à Avila Huber et Skripchenko, qui utilise les résultats qu'on a obtenus avec Jean-Christophe et Martin Muller, c'est que ces taux se trouvent strictement entre le chaos et l'harmonie. Donc, c'est plus grand qu'1/2, c'est ça la partie difficile à faire, et c'est plus petit qu'1. Et donc voilà, c'est plus rapide qu'un mouvement brownien, mais c'est pas complètement linéaire, quoi. Et c'est une bonne question, en effet, de savoir précisément où se trouvent les gammas, si les plus proches d'1/2 ou plus proches des 1.
on ne sait rien. Bon, j'ai discuté un peu avec Pascal sur ça, mais bon. C'est une bonne question. Donc, pour finir, je vais vous montrer encore une photo de Jean-Christophe. Bon, je vais montrer une photo de Jean-Christophe en Terra Brasilis, mais cette fois-ci, 10 ans plus tard, par rapport à la première fois que je l'ai rencontré à Rio. Et c'est une photo, en effet, d'un an entre les épaules des géants. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? On n'a pas d'estimation plus précise de gamma, quand même, parce que entre les deux, c'était quasiment évident pour le physicien. Mais, voilà qui est gentil. Par exemple, dans Mambronien, on a des valeurs rationnelles, des fois, d'autres fois, on trouve. Bonne question. En effet, la chose. Bon, je ne veux pas. Bon, comme mathématicien, je ne veux pas raconter des choses que je n'ai pas encore démontrées. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en effet, il se peut qu'on puisse faire des bonnes expérimentations numériques. De la façon suivante, l'idée c'est que, bien sûr, ces tâches elles sont régies par un système dynamique très particulier. Et en effet, les théorèmes de Avila ou Bezkrypchenko a un rapport avec l'exposant Lyapunov. Donc l'idée c'est de relier les taux de diffusion à l'exposant Lyapunov de l'entropie, de la mesure d'entropie maximale pour ce système. Maintenant, si on arrive à démontrer que la mesure d'entropie maximale est approchée par les orbites périodiques, on peut lancer des expérimentations numériques le long des orbites périodiques pour approcher la valeur. Et donc, mais ça n'était pas encore fait. Bon, si, des expérimentations numériques étaient faites, mais elles ne sont pas justifiées parce qu'on n'a pas encore démontré les théorèmes qu'on peut approcher par des orbites périodiques. Donc, du point de vue mathématique, je préfère dire « je ne sais rien ». Mais il n'y a aucun calcul numérique qui a été fait. Il y en a. Il y en a des amis. J'ai oublié les chiffres, mais surtout parce qu'en effet, à vrai dire, j'ai des très bons amis, Vincent Lecroix et Samuel Lièvre, qui ont fait des expérimentations numériques. Mais j'ai pas gardé trace de ça dans ma mémoire parce que je fais pas confiance en numérique dès qu'il n'a pas un terrain montrant à quelle vitesse il y a la distribution. Donc, en effet, je n'ai pas gardé en tête les chiffres. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a une question là-bas. Attendez le micro. Vous avez parlé pourriez le faire, s'il vous plaît. Ah, c'est un peu technique. Je crois que. Oui, c'est un peu technique. Mais son idée, en effet. C'était toujours cette histoire qui, quand on va regarder les fractions rationnelles, on peut les décrire avec un nombre fini de paramètres si on fixe les degrés, par exemple. Une fraction rationnelle, c'est un quotient des deux polynômes, donc on peut fixer les degrés de ces deux polynômes. Et donc, en effet, si on commence à bouger les coefficients, on commence à changer les systèmes dynamiques. Et en effet, il voulait, en quelque sorte, voir les phénomènes d'Hermann comme une variété décrite par des équations algébriques. Mais Hermann a démoli ça avec un contre-exemple. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est un petit peu de construire une sorte d'espace de module pour ce genre de système dynamique précisément, algébrique. Hein. Précisément. Mais l'idée, alors, il doit y avoir quand même moyen de construire un espace de module. Oui, ça, c'est. Non, mais l'espace des modules, ça, c'était fait. Bon, je crois qu'on entre dans une discussion un peu technique, mais l'espace des modules était fait par des gens comme Sullivan, McMillan, etc. Mais rien n'empêche que l'anneau d'Hermann ne correspond pas à une variété oui. Sous-algébrique de cet espace des modules. Ce sont des variétés complexes. Oui, d'accord. Oui. D'autre part, vous savez que moi, je n'ai malheureusement pas suivi ces travaux, mais à une certaine époque, dans son cours au Collège de France, il avait abordé les systèmes dynamiques péadiques. Je pense que c'est extrêmement original parce que je crois que c'est le seul qui a introduit ça et depuis ça n'a pas du tout été étudié les systèmes péadiques dynamiques. Alors, je ne sais pas quels sont les résultats auxquels il a abouti.
C'est pas tout à fait vrai. En effet, oui, c'est ça. Il mentionne dans les lettres, enfin, l'article périodique. Oui. Mais depuis, non, mais en effet, en ce moment, il y a toute une communauté qui s'appelle, en anglais, il suffit de taper sur les moteurs de recherche préférés, bon, je ne vais pas faire la publicité, Arithmetic Dynamics, dynamique arithmétique. D'accord. Et on va trouver pas mal de gens qui étudient ça. Oui, donc, je ne vais pas être technique, mais il y a des techniques des espaces de Birkhovitch qu'on peut employer pour faire des bons. Il y a aussi, il y a très longtemps, Silverman, qui est un spécialiste de théorie des courbes elliptiques, qui a combiné les travaux de Douady sur l'itération du polynôme quadratique dont parlait Mme Flexor tout à l'heure, avec les connaissances sur l'approximation diophantienne et puis les courbes elliptiques. Oui, et il y a même un bouquin là-dessus dans Springer, mais je crois qu'on en est resté là après Silverman, il n'y a pas eu de travaux dans cette Je ne suis pas d'accord. Il faut chercher des noms comme... bon, Silverman, c'est un très bon nom, mais il y a aussi Laura De Marco, par exemple. Pardon? Laura De Marco, c'est une étudiante de Kirsten McMullen. Qui fait des super travaux dans ce domaine. Bon, je dirais, si vous me permettez, de ne pas être d'accord. Enfin, il y a des travaux récents, très brillants sur ça. Enfin, moi, je confirme que je ne suis pas d'accord. Des Français aussi. Et voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste moi. Oui, vas-y. Par rapport au contre-exemple et au côté subversif de Hermann, mais aussi à l'amour des contre-exemples de Yokos. Hermann aimait voir son théorème global comme un contre-exemple à l'hypothèse ergodique. Il disait, quand tu prends une famille à un paramètre de 10 Féo, comme ça passe souvent par des diophantiens, il l'a montré d'ailleurs que ça passe par les diophantiens, le nombre de rotations, il fallait le montrer, c'est tame, c'est linéarisable, donc l'hypothèse ergodique, c'est encore un pied donné. Donc il en était fier. Le théorème Kam aussi est un pied donné. Oui, mais le théorème Kam est local. Donc là, il disait, c'est un pied donné carrément au truc global. D'accord. Même loin de l'intégrable, l'hypothèse ergodique, elle a des problèmes parce que, bon, mais c'est dimension 1, donc on est très loin. Moi, j'ai une question à te poser sur tes lettres que tu as montrées. Comment elles étaient conservées? C'est-à-dire, les lettres que tu as montrées, elles ont été classées soigneusement par Michel Hermann et réciproquement. Michel Hermann les classait sérieusement. Oui, c'est ça. Donc, en effet, j'ai trouvé parce que, avec les archives de Jean-Christophe, j'ai hérité les archives de Michel Hermann, qui étaient sous la responsabilité de Jean-Christophe. Et donc, en fouillant un peu, en effet, j'ai vu des lettres qui étaient. Enfin, il avait un petit dossier écrit à Jean-Christophe personnel. Et donc, quand j'ai regardé, c'était des lettres. Donc. De cette époque-là. Donc, et réciproquement, tu as trouvé les lettres de Michel Hermann? Non, pas encore, parce que j'ai pas. Bon, je dois avouer qu'après 3 ans, je suis désolé, mais je n'ai pas encore conclu les travaux avec les archives. Il y a pas mal de choses à faire, mais. J'ai pas tout. En effet, j'ai repéré qu'il y a une partie Jean-Christophe personnelle, mais je n'ai pas regardé attentivement tout ce qui est dedans. D'accord. Parce qu'en effet, j'étais en train de nettoyer un peu les textes, enfin, les collaborations avec Patrice, les textes avec Alain Chancinet. Donc, à vrai dire, je n'ai pas encore tout classifié. Il y a beaucoup de papiers? Il y a beaucoup de papiers, oui, il y a beaucoup de notes et beaucoup de papiers. Bien organisé? Bien organisé. Par contre, Jean-Christophe, il organisait très bien, avec, il numérotait, il mettait des titres, et des cahiers, par exemple, ses cours au collège, c'est tout numéroté par des dates, et tout à fait. J'ai juste un commentaire à faire qu'on m'a appris récemment sur la manière d'archiver les papiers. Je pense que les archivistes professionnels, les historiens, savent qu'une chose très importante dans des archives d'un scientifique, au-delà du contenu de ce qui est écrit sur les papiers, c'est la manière dont les papiers sont rangés chez le scientifique en question. Par exemple, s'ils sont très mal rangés ou s'ils sont dans un désordre abominable, ce désordre contient du sens. Non, ce que je veux dire, c'est que... c'est sérieux ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu prends ces papiers de Jean-Christophe, s'il te plaît, ne dérange pas l'ordre des papiers. Ah non, c'est très important parce que, par exemple, un historien a tendance à prendre « Oh, je vais mettre les papiers personnels à gauche, les papiers de maths à droite, puis je vais mettre le périodique à droite. » Donc, c'est surtout pas ce qu'il faut faire parce que c'est très important d'arriver à voir dans l'histoire personnelle comment le scientifique en question mêlait toutes ces choses. Ah oui, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a encore une question là-bas.
J'ai juste assisté à un cours. Hein, je n'ai rien compris parce que ces derniers cours au Collège de France portaient sur les surfaces à petits carreaux. Oui, Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit mot là-dessus. Oui, sans être technique, donc en effet. Ce que je peux raconter, en effet, c'était un de ces derniers cours, mais pas tout à fait le dernier. Mais en effet, une chose que je peux profiter pour dire clairement, c'est que même si les sujets auxquels Jean-Christophe a travaillé dans sa carrière semblent un peu différents, donc par exemple la dynamique complexe, les différents cercles, les surfaces à petits carreaux, tout ça a une certaine unité. Donc en effet, il est arrivé aux surfaces à petits carreaux parce qu'il voulait, donc une fois qu'il a obtenu le théorème optimal, enfin, ce théorème CAM, il voulait étendre ça à d'autres cadres. Et il s'avère que les surfaces à petits carreaux, donc c'est des surfaces qu'on peut construire avec des jeux de Lego. Donc en effet, il suffit de se donner un nombre fini de carrés et après coller les côtés des carrés et les agencer pour produire des surfaces. Et si on fait ça, on obtient des systèmes dynamiques très très riches sur ces surfaces, qui c'est ce qu'on appelle les flots de translation. Donc c'est une généralisation d'une rotation. Et en effet, ce que Jean-Christophe a entrepris avec Pierre Moussa et Stéphane Marmi, c'est l'extension de la théorie CAM des différents cercles au cas des échelles d'intervalles et flots de translation. Donc en effet, il n'a jamais changé de cap dans un certain sens, il a juste passé à la chose suivante, quoi. Donc il a un sens d'unité, même si on ne voit pas très bien, parce que les sujets sont apparemment différents. Mais en effet, il y a un certain sens d'unité dans les maths de Jean-Christophe. Mais voilà, la réponse courte, c'est que les surfaces à petits carreaux, c'est les surfaces qu'on obtient en prenant un nombre fini de carrés et les agençant par des récolements abstraits, quoi, enfin, des récolements mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Je crois que oui. Oui. Claude. C'est pas vraiment une question, mais juste deux remarques ou deux anecdotes sur, en particulier, la période que tu as mentionné, 83, lorsqu'il était au Brésil. En fait, en 83, j'étais étudiant et j'assistais à un séminaire où il y avait Michel Herman. Et bon, Michel Herman, dans les séminaires, était joyeux quand il avait trouvé un contre-exemple, mais sinon assez sévère. Et un jour est arrivé Jean-Christophe, il revenait exactement du Brésil. Et là, j'ai vu dans le regard de Michel une tendresse qui était quelque chose de vraiment, enfin, je m'en souviens encore maintenant, quelque chose d'assez extraordinaire vis-à-vis de Jean-Christophe. C'était vraiment filial dans un sens très très fort à la fois de fierté et vraiment de tendresse. Alors avec toutes les complications que peuvent avoir les relations père-fils, parce que l'une des autres choses dont je me souviens, c'est quand Jean-Christophe a eu le Medea Fields, le commentaire de Michel, ça a été de dire il était temps que quelqu'un dans le domaine des systèmes dynamiques ait la Medea Fields. Oui, mais c'est vrai que oui, cette relation, en effet, si je me souviens bien, dans la Gazette qui était mentionnée par plusieurs orateurs, Jean-Christophe mentionne une anecdote aussi qui, en effet, Michel Herman est allé jusqu'à appeler ses parents, sans la connaissance de Jean-Christophe, parce qu'il était très inquiet que Jean-Christophe jouait beaucoup aux échecs et ne dédiait pas du temps aux maths. Et donc, en effet, c'était une relation vraiment... filiale. Filiale, quoi. Ouais. C'était... Encore des questions, des commentaires ? Alors, je vais remercier tout le monde. Je vais commencer par remercier les conférenciers. Je suis assez fier, à vrai dire, parce que on a réussi à faire une journée qui était, je crois, humaine. Enfin, on a compris le rapport, on vient d'en parler, un rapport filial entre deux mathématiciens. On a vu beaucoup d'émotions, on a vu du plaisir, on a vu aussi un peu d'agressivité, on a vu aussi de la gentillesse, parfois de la méchanceté, de la dureté. On a vu tout ce qui fait un peu les êtres humains et donc les mathématiciens. Donc je trouve qu'on a passé une bonne journée. En tout cas, je vous remercie beaucoup les conférenciers. Je remercie Alain qui était au début, il voulait mettre des formules. Merci beaucoup Alain, merci tout le monde. je trouve qu'on a rencontré deux personnages absolument remarquables et qu'on n'oubliera pas. Donc merci à tous, merci à tous ceux qui sont venus. Et revenez à nos séances, hein. On fait des séances comme ça très souvent, et pas seulement en mathématiques. Venez découvrir des physiciens, des biologistes. Vous verrez, ils sont aussi très sympathiques et aussi parfois un peu durs aussi. Hein. Voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.